Et salut les amis, et bien avec nous on a Guillaume Villeneuve qui a fait top 32 au Rolic Fest et que je voulais vous présenter. Je vais faire une petite interview assez rapide et après il nous parlera de sa decklist Jirina Kudrow, un deck vraiment totalement hors méta, ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour, bonjour tout Et le puis monde. ben, du coup, est-ce que tu peux te présenter à tous les YouTube, tous les abonnés? Alors, je m'appelle Villeneuve Guillaume, rien à voir avec Magali Villeneuve. Et j'ai 28 ans, je suis responsable magasin dans une petite supérette de proximité. Et je me suis mis à Magic il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, Ah, je c'est pense, c'est tout? connu en même temps, je Ah, crois. je pensais que c'était, ça faisait 10 ans que tu jouais à Ah Magic, quoi. non, non, Ah non. En fait, j'ai commencé très exactement, il y avait Guerre des Planeswalkers qui venait d'arriver. ouais? Donc, faut voir quand c'est, mais je crois que c'est 3 ans. Ah ouais, d'accord, non, moi je pense. Bon, c'est que comme moi, tu avais joué à Magic il y a là, une vingtaine d'années, que tu t'es vraiment mis au moment 4 ans de... peut-être. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, t'as donc des très très beaux parcours. Mais du coup, ça zappe ma seconde question, donc qui te demandait justement quand est-ce que tu Alors, allais... Et du coup, depuis combien de temps tu joues en compétitif? en compétitif, vraiment, bon, on va dire que ça doit faire un an, allez. On va dire un an, où je joue vraiment compétitif. Ouais. J'avais testé le format, bah déjà le duel de base, quand tu joues duel, je pense que tu joues forcément compétitif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et comme sur Agen, tout le monde jouait duel, moi à la base j'étais un joueur de multi. Et donc j'ai importé mon petit deck de plaisir que j'avais de multi pour le créer en duel. C'était un tribal humain avec que des humains. Ah oui, je me rappelle, ouais. Première fois qu'on s'est affronté, tu jouais même pas Retour au pays, c'est bien Non, ça. c'était que des humains. Des humains ou des enchantements qui faisaient des trucs pour les humains. 40 plantes, 60 humains, allez hop, Allez hop, le deck il débrouillez-vous. est bon. Du coup, est-ce que tu joues à d'autres jeux de société, d'autres jeux de cartes ou principalement Ouais, Magic? j'aime bien les jeux de rôle. Comme Donjons et Dragons un peu. Mais ça, j'y joue pas très régulièrement, mais j'aime bien. Après, sinon, je joue surtout sur PS5. D'accord. Ouais, j'adore les jeux vidéo. Donc Baldur's Gate, forcément, le meilleur pour moi. Et Là, sinon, j'adore. ça va faire des débats, à mon avis, Ouais. dans les commentaires. Non, je pense pas. Je pense que là, tout le monde va être d'accord. Moi non. Non, pour moi, il n'y a que Mario Kart et c'est tout. Et après, il y a mon jeu préféré, sinon, c'est Fallout. Ouais. En dehors de Magic. Vrai que tu m'avais demandé un tapis. Et il me semble que bientôt, il y a un univers, comment ils appellent ça, un univers Beyond, là, Ouais, Magic. univers Beyond Fallout. Faut Donc que tu là, vois je ça vais aussi. faire mon premier full set. Ah oui, carrément. Ah ouais, j'ai Ah envie ouais. de, je vais tout acheter. Je vais Ouais. acheter bah, tous les decks Commander. Ouais. Et après, je vais voir s'il y a des cartes en plus des decks Commander. Je vais essayer de les avoir toutes. En deux exemplaires, si possible, ça va être chaud. Ouais. Parce qu'il y en a que je vais garder Du coup, tu sous. préfères acheter toutes les unités sur MKL ou tu préfères acheter des boîtes Alors, je vais ou... m'acheter sur une boîte collector parce que j'adore ouvrir des boosters. Ouais. Et après, je pense que je vais prendre un full set sur MKM. Ouais, ça existe directement le full set. Ouais, D'accord. ça Ok. existe Ok. normalement. Ah ouais, ok, je savais pas. Bon, parfait. Du coup, ouais, vu que ça fait donc du coup un an que tu t'es mis en compétitif, est-ce que tu as Ouais. fait des belles performances en dehors du Rolic Fest qu'on va parler plus tard? Alors, en dehors du Déjà, Rolling Fest, t'as fait le Rolic Fest, il me semble, l'an dernier, le 2. j'ai fait oui, Ouais. mais j'y étais allé avec un deck qui n'était Ah pas à oui, moi. c'est vrai. Et parce que je pensais que mon deck humain, d'ailleurs j'avais un deck humain qui était. Ouais. Déjà j'avais pas les bilans, parce que Ouais, oui. j'avais pas assez investi. Et il était pas à la hauteur. Mais je pensais que même le deck, même avec toutes les cartes que je voulais mettre dedans, il allait pas être à la hauteur de base. Donc du coup je me suis dit je vais pas prendre ça. Je vais prendre un deck qui a déjà fait ses preuves, mais qui est pas méta, parce que j'aime pas jouer méta. Donc j'avais pris Isamaru, c'est pas ça? Isamaru. Ouais. Isamaru mono blanc, Et c'était je l'époque m'étais où il y fait. avait Raffine, Ouais. et Raffine était un horrible. Comme moi, je sais que j'ai longtemps joué Talia, et Raffine me défonçait, j'avais lâché mono blanc à cause de Raffine. Et c'est là où, en plus, vraiment Raffine a pris son ampleur enfin, au Ouais. second Rolic Fest. Et donc, du coup, t'avais le pire deck C'est ça. injouable. Ouais. Et du coup, bah, je m'étais fait exploser. À un moment, j'avais joué contre quelqu'un qui jouait Nat en plus. Je me Ouais. suis dit mono noir Nat. C'est bon, là t'as ta chance, Là, c'est j'ai mes dit. chances. Donc la première, je l'explose. Et la deuxième, il met Tourak. Ah bah oui, protection contre le blanc. Protection Et oui, c'est vrai contre qu'on peut le blanc. switcher. Et j'ai perdu les deux Ouais. autres. J'ai rien pu faire. Ah, tu Ouais. m'étonnes. Ouais. Du coup, ça reprend ma question qui va suivre ensuite. Donc, quel style de deck tu aimes jouer en particulier? Alors, le style de deck, je dirais aggro mid-range. En fait, c'est les decks agressifs qui ont quand même du mid-game. Donc c'est des decks mid-range. Ouais. Donc, j'adore le style, par exemple, Yoshimaru Boros ou Yoshimaru Naya.
Enfin, tous les Yoshimaru, d'ailleurs, je les adore. Parce que j'aime bien quand il y a une thématique dans le deck. Donc, Tribal, par exemple, ça, j'adore. Donc là, c'est un peu Tribal Legends. Parce que c'est que des légendaires. Donc ça, j'aime beaucoup. Et j'adore les decks tribaux aussi, mais il n'y en a aucun qui perd dans le méta. Donc, je voulais vraiment avoir un deck tribal pour jouer. À toi, en plus. À moi, ouais. T'avais testé Queen Merchizard, on l'avait testé il y a quoi ? Il y a 15 de jours, juste avant le Relic Fest. Juste avant le Relic Fest. Ouais. Et c'était un échec total. Ah, échec cuisant. Et pourtant, c'est vrai que j'avais... Bah, nous, on a quasiment tous les decks de la méta. Donc, du coup, on a pu les tester. On ne sait pas les jouer, mais ils sont tous montés. Donc après, ben, c'est sûr, c'est le deck qui va jouer et pas le piote. Et malgré tout, vu que j'étais quand même mauvais, Queen Marchesa n'a pas gagné beaucoup de parties. T'es pas mauvais non plus, on peut pas dire que tu es mauvais. Je me débrouille. Voilà. Mais comme je ne les piote pas assez souvent, forcément, je n'exploite pas le potentiel de chaque deck. Et malgré tout, Queen Marchesa avait eu beaucoup de défis. Ouais, elle avait tout perdu, sauf un deck hors méta que tu avais joué. Dur, hein. Ouais, elle avait gagné une fois et après, elle avait perdu. Ouais. Donc même là, c'était 50-50. Ah ouais, donc c'est vraiment pas top. Non, c'était vraiment pas top. Ouais, du coup, c'était quoi ? C'était une semaine avant le relique ? Une semaine avant le relique. Ouais. J'ai modifié totalement ma liste. J'ai fait, allez, je reste sur mon tribal humain. Je modifie tout. Je regarde un peu la méta. Je savais que Slimfoot allait être joué pas mal de fois, même si j'en ai rencontré aucun. Je me suis dit quand même, je vais essayer de mettre des cartes contre. Donc moi, en fait, comme mon but c'est de passer avec mes humains, je vais mettre des cartes qui mettent des -1/-1. Pour détruire tous ces petits tokens et pouvoir passer après avec mes humains. Ah, donc du coup, tu jouais, comment ça s'appelle, Engine Plaguenerer, je crois, ou Electro Invoke 1 et, non, tu ne joues pas là qui... Non, j'ai pas mis ça, c'est pas un humain, je crois. Non, c'est pas un humain, non. Ouais. Non, j'ai mis la Matraqueuse, quand elle arrive et met -1/-1 aux bêtes adverses. Ouais. J'ai mis du coup l'une des meilleures bêtes du format, l'Orkish Bowmaster, parce que c'est vraiment pas mal contre ça. Ouais. Alors je dis ouais. Pour la petite anecdote, elle lui a valu un McDo, parce que quand c'est sorti, j'ai dit, ouais, c'est sympa, mais c'est très très fort contre un gars qui joue Brainstorm ou qui joue Raffine. Après, en dehors de ça, c'est pas exceptionnel. Tu verras, je lui dis, d'ici 3 mois, plus personne n'en parle. Et donc du coup, 3 mois plus tard, j'ai dû lui payer le McDo. Voilà, j'ai gagné un McDo, facilement. Voilà, voilà. Et du coup, en parlant de cartes fortes, ben, justement, comme Orkish Bowmaster, comme Slimfoot, si tu faisais partie du comité actuellement, est-ce que tu aurais une carte que tu aimerais bannir ? Ouais. Ah ! Pour moi, Demonic Tutor. Ah là 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 là. Donc la porte est là-bas. Non, ouais, Demonic Tutor, parce que c'est juste trop fort, en fait, comme carte. Il n'y a aucun désavantage à ne pas la jouer. À la jouer, je veux dire. Oui. Et c'est le seul tuto qui te met aucun désavantage. Même les tutos moins chers, tu avais un désavantage. Tu la mettais au-dessus de ta bibliothèque et tu perdais des points de vie en plus. Ou alors, en rituel, tu la mettais au-dessus de ta bibliothèque. C'est vrai que je crois qu'en plus, au Relic Fest 2, il me semble qu'ils avaient fait un petit sondage, une statistique, qui était la carte la plus jouée. Et il me semble que c'était Demonic Tutor. Ce qui est rare, en général, c'est plutôt une carte artefact ou un terrain qui va être le plus joué. Et là, c'était vraiment Démonique Tutor. Donc, ouais, assez impressionnant. Mais ouais, c'est une carte qui est tellement iconique. C'est la carte qui m'a fait, avec Retour au Pays, la carte qui m'a fait, aimer le Duel Commander. Ah bon? Parce que moi, j'étais en standard à l'époque. Tout le monde joue leur pot de 100 cartes. J'avais qu'est-ce que c'est ce format débile avec 100 cartes. Ils m'ont dit, ouais, mais tu peux rejouer Démonique Tutor et Retour au Pays. Quoi? Ouais, et bon, je me suis mis comme ça. Voilà. Donc on peut pas m'enlever ça. Sinon j'arrête. Si. J'arrête. Non, enfin, j'arrête aussi, tout arrête. Ah ouais. C'est si fini, on enlève DT. Ah j'arrête Magic. non quand même. Je serais déçu. J'aurais vraiment la rage. Franchement c'est. Après moi je trouve que pour le format c'est juste un peu trop fort en fait. Parce que pour combo c'est un avantage mais. Oui. Puissance 10 000. Pardon. Le deck Will le Calrus c'est principalement avec des Monictors qui va gagner. Qui va le faire plusieurs fois. Il gagne comme ça. Après, c'est une carte, en fait, en gros, ça te permet de lancer toutes les cartes de ta bibliothèque, mais pour 2 manas de plus. Ouais, je sais. Ouais. C'est très, très, c'est fort. C'est trop fort. Ouais. Moi, je trouve ça trop fort. Bon, bah, du coup, maintenant, on va partir au Relic Fest 2, non, Relic Fest 3, pardon. 3, voilà. Ouais, le 2, c'est bon. Où il y a eu une petite mésaventure qui est arrivée le matin, mais après, l'aventure s'est transformée en une belle histoire, franchement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette petite aventure ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait m'emmener. Donc, on avait rendez-vous à 8h30 pour pouvoir arriver là-bas à 9h, 9h-10. Et on attend avec un collègue. On attend notre collègue qui devait nous amener. On était deux, donc du coup.
On va attendre. Et lui aussi devait participer au tournoi. Donc, vous étiez sur Toulouse, mais par contre, était sur Toulouse, une rame de métro, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ils allaient nous chercher à Ramonville, pour ceux qui connaissent. Donc, après, il n'y avait, quoi, il y avait que 10 minutes de voiture. On se dit, au pire, on prendra un taxi. Donc, on attend, 8h30, personne. On attend 8h40, personne. Donc là, on commence à paniquer, à essayer de l'appeler. Déjà, depuis un petit moment, on n'avait aucune réponse. Et puis au final, ben, on essaie de prendre un taxi, on n'arrive pas, la carte ne marche pas, on repart pour prendre un train. Au final, on se rend compte qu'on aura perdu la première, puisque c'est sûr, on n'arrivera pas avant 9h. Le but, c'est d'arriver avant 10h. Oui, déjà, au moins de sauver. Parce que si on perd deux, c'est chaud, c'est très très chaud. Déjà que un, c'est compliqué, ouais. Tu ne pars pas avec un... Tu ne pars pas aussi confiant. Oui, ça c'est compliqué. Donc c'est chaud, au final... Tout se goupille bien, on réussit à trouver un autre taxi, à pouvoir le payer et qui nous amène à temps. Pendant ce temps-là, il y a celui qui devait nous amener qui nous appelle, qui vient juste de se réveiller à 9h et quelques. On arrive pile poil en même temps au Relic Fest. Donc on commence tous avec une partie ratée. Donc du coup, tu arrives, tu dis ben, j'étais en retard, ils t'ont dit quoi ? Ils t'ont dit ben, la première partie, elle est finie, c'est mort. Alors j'arrive en retard, donc ils nous disent mais vous êtes en retard, mais pourquoi ? Ben, pour le duel commandeur. Il dit, ah oui, ça a commencé à 40 minutes. On dit, bah oui, on sait bien. Il fait, bah là, vous avez la première qui est perdue d'office, ça c'est sûr. Et maintenant, vous devez voir pour vous inscrire et tout. Vous pouvez quand même continuer à jouer, il n'y a pas de souci. D'accord, bon, c'est une bonne chose, voilà. Qu'il ne te soit pas disqualifié. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que tu perds la première partie. Quand tu sais que tu dois en gagner 7 minimum pour passer jour 2. 7 minimum sur 9, ouais. Donc déjà sur 8, ouais. Du coup il ne me reste plus que 8. Oui, il ne reste plus que 8. Et j'ai le droit qu'à une défaite. Une seule erreur. Hein, ouais. Donc c'est pas gagné. Ouais. C'est chaud, mais je me dis, bon allez, c'est comme si j'avais fait une partie et j'avais perdu la première. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai essayé de te remotiver en te disant, attends, hier il y a tous les gros gros joueurs qui ont fait leur petit le trial, et du coup qui ont logiquement gagné leur bail. Tous les Jules Lestienne, les super joueurs, s'ils faisaient en fait du coup sur les petits tournois à 18 joueurs, s'ils faisaient 4 victoires, 1 draw ou 5 victoires, ils avaient un bail, il me semble. Et donc du coup, ils gagnaient automatiquement leur première partie. Donc du coup, à 1-0, tu avais déjà beaucoup beaucoup de gros joueurs. Donc je dis, peut-être que du coup, toi tu vas éviter les gros joueurs, c'est peut-être une bonne chose. Et du coup, ensuite, tu as enchaîné, je crois. 6 victoires ? Ouais. Ouais, 6 victoires, c'est un truc de fou. 6 victoires d'affilée. Et le 7e, ben alors là, donc 6 victoires, je suis trop content parce que je me dis, putain, il reste 2 matchs. Bon, après, je suis trop content, mais je reste quand même serein. Serein, ouais. Et là, sérieux. Plus tu montes, de toute façon, en victoire, plus tu montes dans les hautes tables, plus tu rencontres des gros joueurs et des gros decks. Donc, et vu que j'ai déjà une défaite d'office, là, il reste 2 matchs. Donc, si je perds les 2, c'est fini. Ouais. C'est au revoir le top 8, top 32. Top 8, c'est encore plus loin. Ouais. Et donc là, je tombe sur Gearzone. Match-up compliqué pour moi, quand même. Ah ouais ? Ouais, même si pourtant j'ai rentré des cartes qui m'avaient l'air d'être puissantes contre ce match-up. Il m'a explosé. Ce qui sort, en fait, le problème, c'est qu'il sort plus vite que moi. Parce qu'il a le général qui fait quasiment le même effet que moi. Mm-hmm. Sauf que lui, il sort tour 3. Je sais pas si on a dit que tu jouais Jirina Kudro. Ouais, Jirina Kudro. Ouais. Donc il donne plus 2, plus 0 à tous mes humains. Et Gearzone, lui, quand il inflige une blessure, Gearzone, il colle 2 blessures de plus. Donc en gros, c'est comme si c'est bête, vu que c'est que des 1-1, c'est des 3-1. Donc un peu comme mon Jirina. Sauf que moi, du coup, ça sort tour 4, je kill, et lui, T3, il met des bourres à 9 ou 6, donc c'est compliqué. Et donc la première, je perds. La deuxième, il réussit à me faire force of will et force of négation dans le même tour. Donc là, j'avais moyen de peut-être revenir. C'était même pas sûr en plus. Ouais. Mais là, il me fait ça. J'étais encore plus au fond du seau. Donc là, totalement perdu. Et après, on passe au dernier de ce jour. Ouais, c'était 9e round. 9e round. Enfin, moi, du coup, c'est la 8e. Parce que la première, je l'avais pas faite. Et Yoshimaru Boros. Je dirais que c'est du 50-50 avec ce deck. Peut-être un peu plus en ma faveur, 60-40. Il te propose de faire un draw ? Non, il ne te propose pas de faire un draw. Je crois que tout le monde l'a joué, il me semble. Ah, ouais, il y a encore 5 rounds le lendemain. De toute façon, tout le monde l'a joué. En plus, moi, je suis un joueur, même si on propose de faire un draw, même si je suis si j'étais en 8-0, j'aurais dit non. Ouais. Parce que, même si on propose 200 euros. Après, il n'y a pas le droit. Je rigole, c'est interdit. Totalement interdit. mais ouais, moi, je préfère jouer mes parties.
dis, quitte à perdre, c'est pas grave, je préfère jouer ma partie. Parce que au moins, je mérite ma place plutôt que faire ça. J'aime bien cet esprit. Ouais. Mais pas ça. Donc je le bats. Je le bats, c'était compliqué. On a fait beaucoup de misplay après cette longue journée. On a fait une longue journée de 8 matchs pour moi, lui 9. Et il était fatigué, il a fait de grosses erreurs, j'ai fait de grosses erreurs aussi, mais au final j'ai gagné. Et lui, du coup, lui il passe pas en top 32, lui du coup, tu élimines. Ouais. Il devait vraiment bien blasé, quoi. Mais bon, en tout cas, félicitations parce que après avoir raté la première partie d'office sans avoir joué, tu me fais un parcours magnifique pour partir en top 32. Est-ce que du coup, tu peux faire un petit résumé de chaque match que tu as ? Attends, je te laisse rallumer tes petites notes. Que c'est quand même, ça remonte à déjà. Ça remonte semaine. Un peu, heureusement que je m'en suis rappelé. Hier soir en plus, j'ai pas gentil à toi. Ouais. Donc, première partie, donc du coup, la ronde 1, elle est perdue d'office parce que monsieur faisait la grasse matinée. Deuxième ronde, du coup. Donc, deuxième ronde, je tombe sur un deck qui a perdu la première, du coup. C'est Krenko bicolore, donc le Krenko rouge-noir, avec deck tribal aussi, avec des gobelins. Et donc, son but, c'est d'aller super vite et de me tuer avec ses gobelins. Ou alors de faire les combos avec ses gobelins, qui peut jouer du dessous de sa bibliothèque grâce à la capacité de Krenko. Donc, premier tour, ça va vite, j'arrive à le battre. Je déroule pas plus Grenzo, vite que lui. Plutôt. C'est peut-être Krenko. Grenzo. Ouais, je crois que c'est quand Grenzo. Quand tu racontes ce que tu me dis, c'est ça là, non ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est Grenzo. Grenzo, il raconte n'importe quoi. Trompé. Oh là 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 là. En même temps, il y a des gobelins qui s'appellent Krenko. Oui, le Krenko, il est mono rouge, il me semble. C'est un deck combo en multi, surtout. Ouais. C'est Grenzo. Heureusement que t'es là, parce que sinon, il serait là en train de chercher. Il y a un Krenko. donc c'est Grenzo. Donc, la première partie, je vais plus vite que lui. Donc, je le bats. Après, il commence. Il arrive à. À un moment, je vais super vite, je déroule super bien. J'ai une furie en plus, donc je lui ai détruit beaucoup de ses gobelins. Et il met son général, il arrive à faire sa capacité. Il sort Kikijiki au pif comme ça, du dessous de son deck. Je fais, oh putain, il va peut-être revenir. Il y a une combo en plus dans son deck. Ouais. Si elle joue Kikijiki, c'est qu'il y a une combo, logique. Quoi. Mais au final, il fait un token avec Kikijiki pour essayer de bloquer parce qu'il avait une autre bête. Mais je rejoue un tour supplémentaire avec ma carte. Avec une de mes petites cartes secrètes. Ouais, on en parlera tout à l'heure, une carte secrète. Une secrète tech, franchement. Quand tu l'as montré, j'ai dit, c'est complètement nul. Et tu as gagné pas mal de parties avec ça déjà avant en test. Ouais. Et j'en ai pas gagné tant que ça avec ça, puisque je n'ai pas eu souvent. J'ai eu que là. Ouais. Et après, je crois que je ne l'ai même pas eu. On en parlera plus tard, ne t'inquiète pas de cette decklist, mais c'est vrai que c'est une carte secrète tech, comme on dit. C'est une de mes cartes préférées que j'adore jouer. Et je trouve très très forte dans les decks aggro. Donc, pour ça que j'ai mis ça. Du coup, troisième ronde, tu tombes contre un Grist. Donc, deuxième pour moi, mais troisième en tout. Je tombe sur Grist, Donc, Grist, il faut savoir que je peux changer de général avec ce deck parce que j'ai trois générales potentiels dans Jirina Kudro. On dit généraux. Un général, des généraux, un cheval, des chevaux. À chacun des chacos. donc j'ai trois généraux, c'est vrai. Donc, j'ai Jirina, si je veux être agressif. Après, si je joue contre Girzone, par exemple, Grist, tous les jeux comme Proche ou tous les jeux qui cherchent à avoir du fast mana avec des elfes et tout ça, je mets Kelsien. Voilà, Kelsien, il est très bon parce qu'il colle une blessure à une bête adverse. Donc, avec Grist, comme il pond ses tokens, qui sont 1-1, avec mon Kelsien, je détruis ses tokens, du coup, il n'a plus de bloquant, il ne peut pas sacrifier une créature pour me détruire une créature en Planeswalker avec la capacité de Grist, ou il peut le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il doit jouer une bête et la sacrifier avec la capa. Et en plus, ce qui est fort, c'est que vu qu'il a la vigilance Israélite, tu peux attaquer avant qu'il déclare le bloqueur, tuer la créature qui allait possiblement bloquer, et ensuite mettre des gars sur Grist, par exemple. Sur Grist, souvent. C'était souvent ce que je faisais. Ouais. Et comme la créature elle meurt, Kelsien, il gagne un marqueur. Un marqueur permanent parce que c'est un marqueur expérience. Donc même quand je le relance depuis la zone de commandement, il garde ses marqueurs expérience. Donc c'est vraiment très bonne carte dans ce genre de match-up. Donc à la première partie, je l'ai dans la main de départ. Donc je suis trop content, je sais que c'est une bonne carte. Donc je la gagne grâce à cette carte. Et à la deuxième partie, je switch de général et je mets Kelsien. Et il n'a pas réussi à battre Kelsien parce que c'est vraiment une carte qui le défonce. Donc 2-0.
Pareil que Krenko, donc je suis content. Je suis 2 victoires déjà, je me dis c'est bien. Krenzo. Ouais, Krenzo. Je me dis c'est bien. Et là, j'affronte Aragorn 3 couleurs. Donc une carte 4-4 liens de vie pour 4. Vigilance. Quand elle arrive, elle donne le monarque. Donc je me dis ça va être compliqué. Parce que mon deck, il essaie de full attaque tout le temps. Mais j'ai juste à avoir une gestion au moment où il pose. Et comme ça, je peux full attaque derrière et récupérer le monarque. Donc, c'est double tranchant. T'as tellement de créatures. T'en joues 40, je crois. Hein, ça, je joue 40, voire 42, peut-être. Mais... Ouais, 41 créatures. Donc, je pense que le monarque, assez facilement, tu peux le récupérer. Ouais. Mm. De toute façon, on va dire, Aragorn, c'est un deck qui est très, très risqué. Étrangement, ça perd beaucoup à l'étranger. Mais, ouais, je l'ai eu testé, moi, c'est vrai que c'est un deck assez risqué. S'il y a une créature volante ou une créature menace en face, on perd souvent le monarque qu'on nous a donné, donc du coup, on donne l'avantage à une créature en général. Si tu n'arrives pas à le récupérer, c'est là que ça devient problématique. Très, très compliqué, ouais. Donc, celui-là, c'est un match-up compliqué, mais je garde Jirina parce que je sais que mes bêtes, elles ont plus de chances d'être 4-4. Donc, au pire des cas, il trade avec son général. Même s'il gagne 4 points de vie, après, moi, j'ai beaucoup de bêtes, donc c'est moi qui lui propose les menaces. Donc au final, j'ai réussi à le battre. 2-0, pareil. Bien. Donc j'étais content. Après, j'affronte Feldon. Tu te rappelles du nom du joueur de Feldon? Non. Je ne me rappelle pas du tout. Oui, mais on peut peut-être regarder. Je ne sais pas s'il y a encore les pairings et tout ça. Je pense qu'on peut encore avoir les pairings sur Discord du Relic. Mais Discord, c'est où là-dessus? Mais je ne pense pas que ce joueur, il a terminé en top 32. Ouais. Parce qu'après, au jour 2, j'ai affronté un autre Feldon. C'était quelqu'un d'autre. Oui, c'était le petit jeune qui avait 17 ans. Non, encore un autre. Il y a encore un autre. Ouais. Hein, qui s'entraîne avec Léo Faka et tout. Et tout. Ah oui, donc forcément. Donc, ouais. Et il joue depuis pas longtemps, il m'a parlé. Alors donc. Le relique. Et il était, franchement, c'était un très bon joueur. Donc là, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cinquième ronde. Cinquième ronde, est-ce qu'on peut voir ça? Cinquième ronde. Mais ouais, c'était vraiment super bien foutu ce système. En espérant que je ne me sois pas trompé dans l'ordre. Ouais. Du coup, ah oui, c'est classé par. Ben non, moi, de toute façon, je suis tout en bas, ça va. Villeneuve, oui. Que t'es le mari à Magali. j'étais là. Hop là, t'es tout à fait en bas. Au-dessus, à 40. Villeneuve, table 40. Guillaume, ah oui, Julien, non. Gray. Non. Faut regarder table 40. Ah non, c'est ça? Non, table 40, t'es en face, t'es opposé à Gray et Julien. Ah ouais. T'as 9 points tous les deux. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'était lui. 3, ouais, ça doit être ça. Donc bon. Donc peut-être. À moins que tu as inversé les rondes. À moins que je me suis trompé dans. Ouais. C'est vrai que ça date d'il y a. Et du coup, Feldon, pourtant, il me semble qu'on avait fait des parties, nous deux. On avait fait des parties, mais c'était avec Marchesa. Ah oui, tu jouais avec Marchesa. Eh oui. Oui, c'est vrai. Là, on pourra en refaire si tu veux. Ouais, tout à fait. Et donc, ce match-up-là, pour moi, il était positif. Mais au final, il s'avère que c'est vraiment du 50-50 avec Feldon, par contre. Là, il y a pas mal de versions de Feldon. Il y a soit les versions Feldon avec beaucoup de créatures, ou là, celle-là, je pense que c'est tranquille. Ouais. Mais les versions qui sont full burn, c'est très difficile. Ça, c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai très peu de trucs qui me font gagner de points de vie. Qui me font gagner des points de vie. J'ai une carte qui le défonce totalement, c'est Rick. Ouais. Rick, qui donne lien de vie et initiative ou vigilance à toutes tes créatures. C'est ça. Ça, en général. Et donc là, quand tu as des créates, toutes mes créates, elles ont lien de vie, vigilance. Et si j'en ai 4, elles ont +2/+2. Il revient pas de ça généralement. Ouais. Je t'interromps de suite. Je vais quand même vérifier si j'ai bien mis affiné. T'imagines? Oui. Bon, après, c'est pas grave. On relance. Oui, peut-être que je serai un peu plus concis. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Ça, okay. Ça filme bien. Donc, tu peux. Donc, du coup, donc Feldon, ça fait 2-1 du coup? Alors, Feldon, ça, j'ai gagné. Oui, ça fait 2-1. Ça a fait 2-1. La première. Je la gagne. J'ai 20 points de vie encore. Ah oui. Justement, en fait, j'ai regagné des points de vie grâce à Rick. Ah ok, d'accord. J'ai cru que de peur, il s'est acharné sur toutes tes créatures. Non. Non. J'avais, il m'avait mis à 10. Ouais. Et après, j'étais remonté à 20. Et puis lui, il a. C'est le problème du mono rouge, c'est que ça a fait tomber très très rapidement à 5-6 points de vie. Et après, les derniers points de vie, c'est très difficile. Et dès que l'adversaire va commencer à regagner des points de vie avec soit Rick, soit Cling to Dust. Ça commence à être compliqué pour mono rouge, on reconnaît. Alors j'ai rajouté notre carte. Mais non. Ah, on verra ça. Ah, tu vois, je n'ai même pas au courant. Là. Mais si, je te l'ai montré. Ah, ça ne me dit rien. Ouais. Alors, et donc je gagne 2-1. Donc je suis content encore, trop content. C'est la 4e victoire pour une défaite d'office. Donc pour l'instant, pour moi, j'ai 0 défaite dans ma tête. Donc je suis trop content. Et là, j'affronte Teferi.
qui sera sur ta chaîne. Grégoire Payen. Prochainement. Je ne sais pas si c'est Grégoire Payen. Donc du coup, là, c'est table... Non, c'était la ronde d'avant. Table 6. Il me semble que c'était ça parce que tu m'avais dit, ouais, t'es en 5-0. Table 6. Il y a de fortes chances sur Koreish de la chaîne MTG Prime. T'es en 5-0, je te fais. Teferi n'a pas beaucoup. Alors du coup, tout à fait encore en bas. Alors, Vin... Table 28. Guillaume. Non, Arthur Delormel. Peut-être, ouais. Je sais pas. C'est ouais. Possible. Ok. Donc, ils étaient peut-être deux à jouer Teferi. Ils étaient deux, ouais. Ça, c'est sûr. Ils étaient, ouais. Parce qu'il y en a un à top 32. C'était pas lui, du coup. Donc, c'était pas lui. Donc, Teferi, mono-bleu combo avec Tide, Star. C'est ça. Et, ça, ouais. Et là, donc, c'est des parties expéditives. Franchement, on regarde. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Je vous ai installé. Je suis parti dire bonjour à quelqu'un. Je suis revenu. J'ai dit, tout va bien. Et tu m'as dit, c'est fini. Ah ouais, non, c'était. En fait, la première. Il pensait pas que mon jeu, je pense, allait être aussi agressif. Ouais. Du coup, il garde une main qui était bien, je pense, pour pouvoir faire ses combos. Mais il n'arrive pas à gérer mon agression et il perd. Et la deuxième, je mulligan 4. Sauf que dans ma main, j'ai deux landes, Esper Sentinelle et Grand Abolisseur. Ah oui, donc il ne pourra plus contrer quasiment. Voilà, donc ouais. T1, moi je mets Esper Sentinelle. Lui, à son tour, il a un truc à faire, il me fait piocher. Après, T2, je mets Grand Abolisseur. Il n'a pas gardé de compte. Il y a un goutte sur le front qui apparaît. Et là, il fait merde. Il est en mulligan 4, il me sort ça. Oh putain. Et puis au final, rien que ces deux cartes-là, elles ont fait la guerre. Oui, parce qu'en fait, dans le mono bleu, il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de vrasse. Donc du coup, s'il ne peut pas contrer, c'est très difficile pour lui. C'est ça. Ouais. Donc il a intérêt à passer rapidement sa combo, ou sinon c'est mort. Je pense qu'il n'a pas gardé de main avec des contre-taux. Il s'est dit, avec 4 mulligan 4, c'est sûr que il n'aura rien. Mais comme quoi, il vaut mieux faire un mulligan 4 et avoir de très bonnes cartes qu'un mulligan 5 ou 6 et avoir des cartes moyennes. Mmh. Donc encore une fois, c'est la preuve qu'il ne faut pas hésiter parfois à mulligan de façon agressive. Donc très très bien. Ensuite, là, 2-0. Jeska après... jaune, c'est quoi ça? Alors c'est un Jeska, 3 couleurs. Ouais. Le but de son deck, je crois que c'est le mec, je crois qu'il avait inventé le deck, ou alors il a vu un deck, mais il était trop fort son deck. Je connais même pas Jeska, c'est quoi comme général? Alors Jeska, c'est un partenaire Planeswalker pour 3, il arrive avec 0 marqueur loyauté, avec un marqueur, il arrive sur champ de bataille, tu lui ajoutes un marqueur loyauté pour chaque fois où tu as lancé ton général depuis la zone de commandement ce tour-ci. Ouais. Et le 0, tu multiplies par 3 les dégâts qu'il a fait. C'est ça. 0, tu multiplies par 3 les dégâts d'une cible. Ouais. Et moins X, tu colles 3 fois X blessure à. Non, tu colles X. X blessure à 3 cibles. Ouais, c'est ça. Ouais. X blessure à 3 cibles. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'était quoi ce second général? Mais c'était un général juste pour avoir les couleurs. Ah, ça, c'est sûr, il ne le jouerait jamais parce que c'est. Pour 5, c'était une 5-7. D'accord, je vois, ouais. Et qui a toutes les couleurs. Hein. Donc, du coup, non. Non, non, non. Non, ah ouais non c'est une carte qui coûte un noir, un vert et 3 incolores. D'accord. Je crois que c'est une 5-7 qui dit que dès que tu as une créature qui inflige des blessures. Une 3-6. Dès que tu as une créature qui inflige des blessures à un joueur, tu gagnes autant de points de vie que sans endurance. D'accord. Oui, et ça, il ne le joue pas. Il le joue vraiment juste pour avoir les couleurs. Donc le but, c'est de mettre. Je me rappelle plus. Des créatures très agressives. Non, vraiment l'enchantement qui dit tu te défausses d'une carte de créature, tu vas chercher une carte de créature dans ta bibliothèque, tu la mets dans ta main. Oui. Survie du plus apte. Survie du plus apte. Voilà. Survie du plus apte. La plupart du temps, ou alors des défausses. Ils se défaussent de créatures style de fait des phénix. Ouais. Il y a des phénix qui disent quand tu lances ton général, tu renvoies directement sur son bataille. Et si tu as lancé deux sorts, t'as un autre phénix qui arrive. Donc le but c'est qu'ils fassent en un tour, il se défausse d'un phénix pour aller chercher un phénix, puis il se défausse d'un autre phénix pour aller chercher un phénix, et il joue son général, il ramène les deux phénix, il fait le zéro de son général pour tripler les dégâts d'un phénix, et il te one-shot comme ça. C'est rigolo, j'aime beaucoup, franchement. Ah, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Ouais, oui. Ça demande quand même pas mal de setup, donc il y a des moments, ça doit être compliqué. Oui, oui, mais au moins il a innové. Et c'est bien d'innover pour un tel événement, quoi, plutôt que de rester dans un. Et il m'a fait une sortie de port, la première partie, où je suis à 19. Il a juste une bête 5-3 piètes sur le champ de bataille. Il me dit. Et puis là, je vois, il joue, voit compter tout ça. Et je lui dis oui, mais je suis à 19 points de vie. Oui. Il me fait. Oh. Il compte comme ça. Il commence à faire ses trucs, à engager tout son mana, à mettre ses cartes.
Là, je vois ça, je regarde, tout est bien, tout est légal. Je fais OK, d'accord, c'est trop fort. Et là, il me colle 18 points de dégâts. Parce que j'avais un bloquant. Donc là, je me dis, c'est chaud. Mais moi, après, il ne savait pas, j'avais dans la main en avant Erlindas. Et du coup, j'avais les dégâts finis. Ouais, j'avais le létal. Donc cette partie-là, chaud, ouais. Je me dis, oula, le deck, c'est chaud. Ouais. Surtout que là, ce que tu dois faire, c'est contrer quoi, dans ce deck. Ouais. C'est compliqué. Contrer ou exiler le cimetière. Ouais. Je peux pas trop faire ça en éphémère, à part avec Dîme de Mana et quelques cartes. J'en ai pas beaucoup. Ouais, donc c'est chaud. Tu joues d'ailleurs King of the Death? Non, je le joue pas. Je le joue pas. Counter, donc la porte est toujours là. Après, j'ai fait top 32, j'ai pas joué. Comme quoi, il n'y a pas besoin. Et puis, non, ça se trouve, peut-être pour perfer plus, il fallait que je joue. Peut-être. Je sais pas. Ouais, peut-être. Bon, bref. En tout cas, du coup, tu arrives quand même à le battre. J'arrive quand même à le battre, ce qui est compliqué. Il m'a surpris. J'ai trouvé très bien, en plus d'affronter un deck exotique, j'ai trouvé ça génial. Surtout que on était quoi? C'est-à-dire qu'il était en 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Ouais, 5 victoires. 5 victoires. T'es en 5 victoires aussi. Ouais. Donc, franchement, bravo à lui. Donc, en quoi, c'est que c'est bien qu'il y ait encore des decks en méta à 5-1. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc après, j'affronte Girzone. Girzone, du coup, là j'en avais parlé juste avant. Imba. Imba 2-0, il m'explose. Je me dis, il ne me reste plus qu'une partie. Si je perds, mon espoir du top 32, c'est foutu. Puis au final, j'affronte Yoshiboro. C'est comme j'ai dit, bon voilà, on était fatigué, c'était serré. Coup, accès au jour 2, tu veux nous voir tout content. Et ouais, je viens de voir. Je dis, franchement, c'est une belle aventure. Parce que franchement, quand tu sais que ta première ronde, tu l'as perdue. Et en plus, bon, je savais que tu jouais en compétitif depuis très peu de temps, mais je ne pensais pas que tu jouais à Magic depuis aussi peu de temps. Donc ouais, en 3 ans et en même pas un an de tournoi compétitif, se qualifier pour le top 32 du Rally Crest, c'est une belle histoire parce qu'il y avait quand même 452 ou 453 joueurs, je crois. Ouais. Et parmi tous ces joueurs, il y avait forcément beaucoup de déplacements, de gros joueurs qui venaient de Paris, qui venaient de Lyon. Il y avait bien sûr toute l'équipe de Toulouse qui avait déjà gagné l'an dernier. Les Palois qui sont très très forts. Donc vraiment, ça fait plaisir franchement de se qualifier en jour 2 parmi les meilleurs. Ouais. Du coup, c'est toujours la crème de la crème du Rally Fest. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content d'en avoir fait partie pendant une journée. Du coup. J2. Et donc du coup, J2, j'arrive, je me dis, d'entrée, je suis tout content. C'est chaud. Tellement, en fait, je pensais pas qu'il serait là, je ne l'avais pas filmé jusqu'à présent, je me dis, c'est l'occasion de rêver. Tu l'avais filmé une fois? Ouais, pour Teferi, justement. D'accord, c'est vrai. Parce que tu étais content, j'étais en 5-1 et en 5-0, quoi, mais en 5-1. Et du coup, là, en première ronde du deuxième jour, tu affrontes Léo Faka. Léo Faka, direct. Qui est très, 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 très bon joueur de Toulouse, qui gagne beaucoup de tournois à Toulouse, à Boutique Fantasy Sphere. Franchement, donc big up à toi parce que franchement, souvent tes perfs sont. Alors que tu joues pas spécialement, enfin, on te voit pas souvent jouer, mais le peu de fois où tu viens, c'est top 8 direct et souvent dans les 2-3 premiers, donc franchement, ça fait plaisir. Je te vois opposé à lui, c'est l'occasion rêvée de vous filmer, là, franchement, un bon joueur contre un noob. c'est un noob qui perf, donc ça fait plaisir, il y avait un deck hors méta. Il y a de surpris en plus, il y a de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? Voilà. Mais le mec, il vient d'Agen, ils ont pas de communauté. Et en plus, il y a un deck bizarre, c'est exceptionnel, franchement, dans cette partie. Dans sa tête, il a dû se dire, putain, je pense que ça va être une victoire facile, mais s'il arrivait là, ça devrait quand même être chaud. Et en plus, tu m'as dit que c'était un joueur exceptionnellement gentil, moi je le savais, mais toi tu le connaissais pas encore. Franchement, première fois que je le voyais, j'avais déjà entendu son nom, je me suis dit, oula, lui, je connais son nom, c'est que ça doit être un très très bon joueur. Et je me dis, bon, à mon avis, il va être sur les règles et tout ça. Pas du tout, le mec, super fair play, super sympa. Je crois que tu as laissé revenir en arrière. Il m'a laissé revenir en arrière avec l'accord du judge. Donc franchement, comme quoi on peut être bon et on peut être fair play. Et ça fait plaisir. Et franchement, un grand respect à toi pour ça, Léo Faka. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça hein, qui sont très très fair play, mais tout en ayant des très très bonnes performances dans tout et tout moi. C'est clair. Comme quoi, il ne faut pas toujours être un salaud pour gagner. Donc franchement, ça fait plaisir cette ambiance qui a... assez régulièrement, on va dire, en duel commander par rapport au format standard qui est un peu plus strict, je me rappelle à l'époque où on faisait les tournois. Donc franchement, ça fait plaisir. Et en plus, t'es soit caméra, donc on aura l'occasion de voir vous ça pourrez très voir prochainement. Ça. Franchement, j'espère que je lui ai fait des petites suées quand même dans la partie. Parce que c'était une superbe partie. Il jouait donc à Traxa. Il jouait à Traxa, Traxa, 4 couleurs. Bah, toujours 4 grande, couleurs, mais la grande. Ouais. Et donc la première Imba. La deuxième, je le bats. Je me dis, putain, j'ai une chance. Et la troisième, c'était vraiment très serré.
Et au final, vous verrez. Mais de toute façon, ouais, on le verra en partie tout ça. De... Ouais. Je savais même pas. En plus, tu avais affronté proche. Alors, proche, ouais. En top 32, je pense, c'est Ambroise Berthe, il me semble. Oui. C'est ça. Oui, ouais. C'était ouais, lui. Qui gagne. Ah oui. Ouais. Tu le connaissais pas, mais non. Moi, je le connais de nom. Je n'ai jamais encore parlé. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de filmer ta partie. J'aurais bien voulu, parce que proche, un deck que j'aime beaucoup. Mais oui, je vois souvent son nom en haut des classements, et donc ça faisait plaisir que tu affrontes. Et du coup, ça a dû être un match-up très très difficile. C'était très très difficile. Il y a un moment, je pense que j'avais un espoir de victoire si j'avais mieux joué, parce que je sors l'une des cartes les pires contre proches, c'est Vague de Parallaxe. Ah oui. Et je réussis à survivre alors qu'il joue son Behemoth des cratères. Il joue Behemoth des cratères et du coup, avec les triggers, alors que j'ai ma Vague de Parallaxe, mais du coup, on a demandé au judge pour savoir si, quand le Behemoth des cratères, quand il arrivait sur champ de bataille, est-ce qu'il se comptait, même s'il était exilé, au moment où il arrive sur champ de bataille et son trigger s'active, est-ce qu'il se comptait dans le plus X plus X? Ah, oui, mais semble, oui. Et non. Ah, ouais, d'accord. Quand il est exilé, il ne se compte pas dans le plus X plus X. En fait, le plus X plus X, il se fait au moment où ça se résout, en fait. D'accord, ok. Donc au final, grâce à ça, il a vu qu'il n'avait pas l'étal, et il a très très bien joué, parce qu'il n'a pas envoyé ses créatures pour essayer de me descendre les points de vie, parce que même je crois que même s'il m'envoyait les créatures, je crois que je ne mourrais pas, mais que lui, il ne mourrait pas, à part si j'avais des bêtes célérité dans ouais. la main. Mais il a joué à sécurité, il s'est dit, de toute façon, au tour d'après, il n'a plus de marqueur sur sa Vague de Parallaxe, il récupère les bêtes, et là, il aura des gros bloquants, ouais. Donc je ne pourrais pas passer à travers. Et il a vraiment très bien joué là-dessus, mais peut-être que j'aurais dû mieux jouer, en tout cas, je sais pas, mais c'était des très belles parties. Ouais, mais c'est pas n'importe quel. Il a très bien joué, il est très fort, il est très fair play aussi. Franchement, ils étaient tous les joueurs que j'ai affrontés, ils étaient tous super bien, quoi. Ils étaient tous super fair play, c'était incroyable. Après, juste après, je vois Airtai, et c'est vrai que je suis passé pas loin de la partie. Le joueur, on le connaît bien, on le connaît souvent sous le pseudo Latiel, il vient de Cahors, c'est Julien Castella. Qui pendant très longtemps avait joué Airtai Combo, je crois, il me semble à l'époque. Après, il était passé sur Will Lucalurus pour se qualifier aux France. Et là, donc, du coup, à nouveau Airtai, mais Airtai du coup contrôle. Je pense pas que c'était un Airtai Combo qui jouait. Oui, c'était un Airtai contrôle. Enfin, peut-être que j'avais le pas peu tout que vu. Peu que t'as vu en tout cas. Mais ouais, pour moi, ça avait l'air d'être un contrôle. Ouais. Et donc, on a joué trois belles parties, je crois, et j'ai gagné. La partie durait très très longtemps, parce que je passais régulièrement le voir et ça finissait. C'était assez long, franchement, c'était chaud. En fait, je crois que la deuxième était très très longue. Ouais. Et après, il nous restait, je crois, 10-15 minutes pour faire, 10 minutes peut-être, pour faire la troisième. Ouais. Et j'aurais peut-être dû la concéder plus rapidement, la deuxième. Mais j'avais un petit espoir. Mais non, il faisait trop de value. Il avait réussi à me reprendre le monarque et l'initiative. Ouais. Ah oui, donc pendant au moins, il a eu le temps de faire un trigger combo d'initiative. Ce qui est quand même pourtant très compliqué pour Airtai, qui ont très peu de bêtes. Et à le maintenir surtout. Oui, à le maintenir. Ouais. Donc, ils ont des créatures flash, ils peuvent le reprendre un tour. Mais toi, en général, tu as tellement de créatures que tu peux reprendre facilement. Donc, rien que pour ça, bravo à lui, franchement. Ouais. Et donc, du coup, tu vas perdre celle-ci? Celle-ci, donc je gagne la première partie. Lui, il me bat avec justement en me reprenant le monarque et l'initiative. Et ça lui fait beaucoup trop de value. Ouais. Et il gère toutes mes bêtes et tout ça, donc je peux rien faire. Et après, la troisième, on en fait... Je ne me rappelle plus comment je la gagne, celle-là, mais je sais que je gagne à la fin 2-1. Donc je gagne. Donc je me dis, bon, déjà, avec les deux défaites, je ne pouvais plus avoir accès au top 8. Top 8, il tolère qu'une défaite sur les 5 parties aujourd'hui. Ah, d'accord. Okay, ouais. Et tu avais donc du coup perdu contre J'ai perdu contre Atraxa et contre Proche. Et donc, du coup, tu avais moins de stress. Ah, mais à ce propos... Est-ce que toi, tu es un joueur comme moi qui stresse énormément quand tu fais des parties comme ça, un grand événement, quoi. En fait, pour moi, je ne pense pas avoir beaucoup stressé. J'avais un peu le stress parce que, et surtout l'enthousiasme de participer à un événement comme ça et d'avoir gagné le jour 1 et d'avoir la possibilité de faire jour 2, de savoir que je vais jouer que contre des bons joueurs. Le seul partie où j'avais un peu de stress, c'est contre Léo Faka. Ouais, parce que tu sais que c'était un joueur de renommée. Et en plus, lui, il ne stresse pas du tout. Il est tranquille, il est calme et tout ça. Il est là, il joue ses plays comme si c'était facile, quoi. Il se dit en face, un ingénieur tendu. Il joue Jiren Lapoudreau. Il ne joue même pas un deck qui marche. Ça fait encore plus stressé. Voilà. Ouais, non, mais sinon, non, pas particulièrement. Je n'ai pas stressé particulièrement, je trouve. D'accord.
Donc du coup, ouais, en plus, tu as moins de stress parce que tu sais que tu ne peux plus faire top 8. Ouais. Tu auras un peu déçu du coup. Là, j'étais déçu. Ouais. Ouais. Sur celui-là, je pense qu'on était tous les deux déçus. Ouais. Et du coup, on a fait une partie pour savoir si on pouvait faire top 16 parce que tu peux doubler quand même tes gars. Ouais. Et donc, il m'a battu. Non, je l'ai battu, Ertai. Et donc après, je joue contre Feldon. Feldon, je pense que du coup, là, c'est le petit jeune de 17 ans que j'ai. Non, toujours pas. Non, justement, c'est un autre. Il y en a qui a un petit jeune de 17 ans, mais là, c'est celui justement qui joue avec Léo Faka. C'est ce qu'il m'a dit. Soit Léo Faka, soit Alexandre Haber. D'accord. En tout cas, de toute façon, les deux, je crois qu'ils s'entraînent souvent. Ce petit jeune, il me paraissait très très jeune. Quand je suis allé le voir, je lui ai dit, mais t'as quel âge ? Il me dit, j'ai 17 ans. J'ai dit, mais c'est... Et je l'ai filmé en partie parce que ça m'a fait plaisir de voir ça. Et surtout quand il m'a dit, je joue Feldon. Alors j'ai dit, moi, Feldon, c'était mon deck de cœur l'an dernier. Et il m'a dit, enfin, je lui ai dit, pourquoi tu joues ça ? Parce que c'est un deck qui fonctionne bien. Mais non, parce que j'ai pas de sous. Et cette phrase m'a fait rêver parce que voilà, on peut jouer à Magic, on peut faire top 32 d'un événement comme ça où tu as des gars qui sortent des decks à 3000 euros avec leur bilan et tout ça. Hein. Et toi, tu viens avec un deck qui coûte 250 euros, mono rouge, et tu pousses les cartes. Bon, il faut quand même la réflexion. Oui. Mais voilà, et j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que c'est genre. Il a bien géré, il a fait une belle perf. Oui, et puis ultra agréable en tant que personnage en dehors de Magic et en tant que joueur. Donc, ouais, j'ai trouvé ça super. Mais donc, du coup, c'est pas lui. Du coup, c'était pas lui. Du coup, pourquoi j'ai pas accès. C'était un autre. J'ai pas accès à la dernière ronde. Parce que celui de 17 ans, je. C'est l'avant-dernière. La ronde de 13, du coup. L'avant-dernière. Alors, 13, 14, 15, oui, c'est ça. Non, c'est la 14, celle-là. C'est la 14. Ça marche pas. Ah non, c'est la 13, non, t'as raison. Ah, mais ça, c'est les pairings. Non, mais. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, bah oui, si, c'est ça. Ah, bah si, c'est ça. Oui, mais Johan Scordia, mais oui. Alors, je sais pas. Ah, tu connais ? Mais oui, on se croise régulièrement en Touraine. Je sais pas comment ça se fait qu'on se croise aussi souvent. Est-ce que t'es de Toulouse ? Est-ce que t'es de Pau ? Est-ce que t'es dans le coin ? N'hésite pas si tu verras la vidéo à me dire d'où tu viens. Mais c'est vrai que si. Un petit nounours, je l'aime bien, petit, parce qu'il a un look nounours. Et c'est adorable. Vrai qu'il fait penser à un nounours. Adorable, ce joueur, à la fois dans les parties qu'en dehors des parties. Donc, ça fait plaisir. Et en plus, il joue Feldon. Donc, il est super sympa, oui, c'est clair. Ultra franchement. Agréable. Et en plus, il est venu me voir après et me dit « Ouais, j'ai affronté un deck bizarre avec des humains. » J'ai dit « Mais c'est mon pote !» C'était... il m'a bien défoncé. Ouais. Il m'a bien défoncé. C'était, et lui, pareil, version Burn. C'était Burn, des belles parties. Ouais. Version Burn, Version Burn. Un peu de créatures. Oui, comme d'habitude. Oui. Et je crois qu'il s'est mis une ou deux sucreries. Je crois qu'il s'est autorisé une ou deux sucreries dans le deck. Ah, des petits trucs à lui. Ouais. Notamment une 2-1 pour 1. Et il peut payer un, la sacrifier et donner un jeton rôle à une bête. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Ah, en effet, aussi une petite sucrerie, comme tu dis. Une sucrerie, je pense qu'il a dû bien aimer la carte. Ouais. Et ouais, elle a fait le taf, hein, parce qu'à un moment, je pense qu'elle a été pour beaucoup dans la partie. Donc, comme quoi, ça y fait. Du coup, on va commencer un peu à regarder ta liste, je crois. Tac. Donc voilà. Et après, j'ai drop. Parce que normalement, parce que du coup, comme ça me. J'avais 3 défaites, j'étais automatiquement dans le top 32. Donc, je me dis, j'ai fait beaucoup de parties sur ces deux jours. La dernière, du coup, que tu gagnes ou que tu as perdu, ça n'allait rien changer. Ça n'allait rien changer. Ça allait changer ma position dans le classement. Ouais, mais tu ne pouvais pas faire top 16 de toute façon. Tu ne pouvais pas faire top 16. D'ailleurs, c'est dommage, sur Magic Ville, ils n'ont pas mis le top 32, il me semble. Ils ont marqué que le top 16, si mes souvenirs sont bons. Et c'est bien dommage que quand tu es fier d'avoir fait un tel résultat, que tu n'es même pas ton nom. Moi, je trouve que ça se comprend quand même, mais. 452 joueurs, ils n'ont mis que le top 16. Ouais, top 16. Donc top 16, c'est dommage qu'il n'y ait pas tout. Ouais. Du coup, hop, on va regarder ta decklist. Alors 40 landes, moi j'ai regardé brièvement avant que tu arrives, il y a des trucs qui m'ont choqué. Vas-y. Pourquoi deux plaines et deux marées? C'est vrai qu'en général on met un de chaque, qu'on va chercher avec la vue prismatique, et ça suffit amplement. Pourquoi deux et deux? T'as peur des Blood Moon? Oui. D'accord. Okay. C'est surtout pour les Blood Moon, et aussi souvent... quand j'ai un land dans ma main, un land déjà de base, et que j'ai besoin d'aller chercher un autre land de base dans ma bibliothèque pour pas perdre 2 points de vie, par exemple, parce que j'ai un land ou un truc, des fois ça m'avait bloqué. Et t'as pas été tenté justement de mettre une plaine et une plaine enneigée et un marais en marais enneigé pour pouvoir jouer Pacte Souillé ? Si, justement, ça j'aimerais bien le faire. D'accord. C'est une prévision. Je rappelle, donc Pacte Souillé, c'est une carte qui permet de faire un peu comme Démonic Tutor, sauf que c'est en éphémère. On exile la première carte qui est sur le dessus du Cellutech, et si nous plus, on la garde. Sinon, on continue à faire ça ainsi de suite. Et par contre, dès qu'on rencontre deux cartes identiques, on doit s'arrêter.
D'où l'intérêt d'avoir aucune carte identique, même des terrains. Donc voilà pourquoi on mettrait une plaine enneigée, un marais enneigé, si tu as le pacte Souillat, donc à tester la prochaine fois. C'est possible. Donc le bassin de réfléchissement normal, les bilans, les fetch. Cavernogem, est-ce qu'elle t'a aidé ou... Elle m'a aidé à chaque fois. La seule land qui ne m'a pas aidé, que j'ai presque envie d'enlever parce qu'il y a des parties, une défense. C'est ça, non ? Ben non. Ah ouais ? Alors attends, tu viens de le passer. Je viens de le passer. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a comme nom ? Il n'y a rien. Ça, c'est des Penland, c'est normal. C'est le bassin réfléchissant. Ah, le bassin réfléchissant. Ah, pourtant, tu n'as que des terrains qui font deux couleurs. Donc il m'a tellement handicapé. Ah ouais ? Ah, il y a des parties, c'était pas possible. J'étais pas obligé de ne pas garder mes mains parce que j'avais le bassin réfléchissant et un land de base. Ah, d'accord. Tu vois, par exemple. Donc, du coup, je suis bien déçu de ce land. D'accord. Même si je le trouve sur papier excellent. Mais oui. Mais en pratique, il m'a déçu. Ouais. Parce que je crois que tous les decks trois couleurs, en général, le jouent. Surtout quand tu joues 40 landes, en général, t'as au moins un fetch dans une partie qui permet d'aller chercher un triome. Et du coup, lui aussi, ça devient un triome. Du coup, si en plus quelqu'un... En plus, t'as une confluence de mana, je vois. Et si en plus quelqu'un a des manas, des passages, par exemple, le bassin réfléchissant, il est encore pire. Oui, c'est un gros dilemme qu'on a entre nous. Pour moi, passage, c'est un super, super terrain qui s'adapte vraiment à la situation en le mettant dans un sens ou l'autre. Toi, par contre, tu détestes les passages. Pour moi, je déteste les passages parce que tu es obligé de choisir. Je préfère largement un Penland qui va te permettre de perdre un point de vie pour faire un mana de la couleur que tu veux parmi ces deux couleurs, plutôt qu'un passage qui va te faire toujours qu'une seule couleur, celle que tu as le plus besoin sur le moment. Je suis d'accord que sur le moment, c'est un bon terrain. Mais après, si tu pioches une carte où tu auras besoin de la face recto, tu ne pourras pas la jouer. Château de Brazeret. Moi, je n'aime pas du tout. Parce que toi, même dans Proche, imagine, je ne joue même pas. Ah bon ? Ouais. Mais il ne fait que du rouge. Et moi, dans Proche, je n'ai pas spécialement besoin de beaucoup rouge. Toi, peut-être un petit peu plus. Mais ça m'a quand même surpris que tu joues un terrain qui ne fasse qu'une seule couleur dans un deck. J'ai mis ça parce que ça m'a permis de gagner des parties. D'accord. Ouais. Tellement de jeux de créatures, tu trouves que le plus 1 plus 0 est vraiment impactant. Oui. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, je... J'accepte. Hein. T'as fait top 32, donc je peux rien chier. Bon, après, donc, du coup, tu mets les slow land, ça c'est normal. Ouais. Qui sont je mets les slow bien land. Supérieurs aux fast land, parce que même si t'as un deck agressif, t'as quand même assez de terrain en général pour arriver avant. T'as pas eu de problème avec les slow land, ils en fait, sont jamais handicapés. En fait, à partir du moment où tu te dis que ta main idéale de départ, c'est 3 mana. Oui. Et du coup, si t'as un slow land, ils seront toujours bien. Ouais. Avec Ganjo, bon, on prend un peu plus. Alors, c'est tellement polyvalent que c'est vraiment très très bien comme deck, comme terrain. Donc, ce qu'on appelle les Penlands, c'est ceux qui t'infligent en fait une blessure à chaque fois. Et après, ce qu'on appelle aussi les Checklands, c'est ceux qui arrivent dégagés si tu as un terrain ou un autre. Donc là, par exemple, je ne sais pas isolé, qui arrive dégagé sur une plaine de marée. Type de terrain de base. Tu mets les 3 de chaque, les fetch, bien entendu. Tous les fetch. Minas Tirith, intéressant ou pas ? Très intéressant. Ouais. Même s'il y a des fois, elle m'a ralenti. Parce que il arrive engagé, tu entends, je crois. Voilà. Il arrive engagé. Ouais. Enfin, si j'ai un tour 1, souvent mes tour 1, à part Kitéon, ils ne sont pas légendaires. Du coup, même si j'ai un tour, par exemple, j'ai Kitéon dans la main, Minas Tirith. Tu ne peux pas le jouer. Eh oui. Ouais, c'est dommage. Donc, il y a des fois où c'est un peu compliqué, j'avoue, mais pour les values qu'elle m'a faites dans certaines parties, oui, tellement de créatures que du coup, franchement, ça vaut. Il se rattrape bien. Ok. Donc encore des raves, le Sokenzan, pareil, très très bon. Moi j'adore. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est pas non. Tu peux mettre en bloquant, tu peux attaquer avec. Ah, on en vient à celui-là que je déteste, Takenouma. Ah, tu détestes Takenouma ? Je m'en sers jamais. C'est vrai ? Mais non. Est-ce que tu t'en es servi ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Bah, je reconnais, c'est pas souvent, c'est pas à chaque partie. Mais par contre, souvent, enfin souvent. Quand je l'utilise, à chaque fois il m'a été utilisé par contre. D'accord. Ok, ok. Bon. Tour de commandement, le trium, voilà semence, encore une carte que je n'aime pas. Ça va te faire scry pour ton général, mais je sais pas, ça arrive engagé. Moi, le fait que ça arrive engagé, ça me déplie totalement. En fait, ça me fait tellement, quand c'est là, T1, ça me fait des scry à chaque tour en fait. Du coup, c'est super fort, quoi. Ouais. C'est comme si, imagine toutes tes créatures, il y a marqué quand tu le lances, scry 1. Ouais. Ce serait fort. Toi. Après, c'est vrai que tu joues beaucoup, beaucoup de créatures, donc ça peut se comprendre. Ouais. Et après, surtout comme créature anamoque, tu n'en as pas beaucoup. Donc, tu as le champion de la paroisse qui grossit dès qu'un humain arrive, lui qui protège tes autres créatures, lui qui on ne présente plus, la mère des runes non plus, le sentinelle d'espère. Tu n'as que 5 créatures tour 1, donc en effet, je peux comprendre que tu puisses jouer un terrain engagé. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait encore ? Je sais pas. Hop.
pense que c'était maximum, ouais. Ah oui, c'est possible. Tac. On est reparti. Hop. Donc du coup, à deux d'invoc ensuite, donc Argousin du Général. Mmh. Celui-là, je vais l'enlever. Ah ouais? D'accord. Ouais, parce qu'en fait, pour deux, c'est une 2-3, c'est bien. C'est bien, ah oui. Les humains légendaires que je contrôle ont l'indestructible. Ouais. C'est-à-dire que même lui, si avec de la chance, j'arrive à le rendre un légendaire, par exemple, quand l'anneau me tente, eh ben, il est indestructible. Ah oui. Ça, c'est super. Mais souvent, eh ben, t'as pas... Lui, il reste pas sur le champ de bataille, en fait. Et du coup... Ah oui, il se tue en premier et après, il se débarrasse des autres. Mais c'est ça. Coup, et il y a aussi le pire des cas, c'est... Tu fais une phase... Le mec te fait une phase d'attaque. Tu bloques avec tes humains indestructibles. Ah oui. Il te tue suicide. Il te tue suicide. Ah mais oui. Du coup, tes humains indestructibles, ils ont pris des blessures. Et si les blessures, elles ont été létales, ouais. Ben, ils sont morts. Ouais, ouais. Donc, et en plus, la capacité bien, à 4 mana, je pense que tu peux quasiment jamais utiliser. 4 mana, c'est beaucoup trop cher pour pouvoir exiler une carte, non? C'est ça. Ouais. Bah après, oui, ça, c'est vrai que je le fais jamais. Ouais. Mais c'est toujours sympa, par contre. Ça, j'avoue que 4 ouais. mana, exiler en éphémère une carte, ouais. n'importe quelle carte d'un cimetière, mm-hmm. c'est pas mal. Mais exemple, contre Slimfoot and Squee, je pense que t'as même pas le temps. C'est beaucoup trop tard. Ouais. Sandrilène, ça je connaissais même pas, tu vois, 2-2 sérité, chaque fois qu'elle attaque, si au moins deux permanents non terrain sont arrivés sur le champ de bataille, sont contre eux, vous dites marque plus un sur Sandrilène. Ouais. Alors ça je le joue parce que je la trouve super forte. Déjà ouais. une 2-2 pour 2 sérité, j'aime beaucoup. Et après, en plus, souvent quand elle attaque, elle gagne son marqueur. Du coup, c'est une 3-3 pour 2 ouais. sérité. Et en plus, à tous les tours, tu peux potentiellement mettre un marqueur dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, le grand abolisseur, on prend plus. Ça permet de tuer pas mal de decks contrôle. Jirina, incroyable. Jirina, je connais pas. De Navok 2-2. Quand tu arrives sur champ de bataille, on exile un cimetière d'un joueur ciblé. Donc très très bien, surtout en ce moment. Mm-hmm. Et tu peux la sacrifier pour donner la défense thésmonique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour à tous tes humains. Sachant que tu n'as principalement que des humains, tu m'as dit. Donc, ouais, très, j'ai très que deux cartes non humaines. Ah oui, donc forcément. Enfin, ouais. Sans compter Solitude ouais. et Fureur. D'accord. Ça, je considère ensuite, plus comme des blasts. Calin, donc celui qui crée le trésor. Tu le jouais à l'époque, je me rappelle, dans Diada. Ouais. Pour sortir plus rapidement ton général, c'est très très bien celui-ci. Ensuite, l'avant-garde, qu'est-ce que c'est? Ça donne un invoque 2-2. Chaque autre humain que vous contrôlez. Ah oui, tu me l'avais sorti là, quoi. Ouais. Gagne plus un et parade. Ah, oui, ça m'avait d'ailleurs tué. Ouais. Ça fait très très mal, ça. Ouais. Donc très bien. Bon, le classique Feldon. La petite Flibustière. Alors, Flibustière, qu'est-ce que t'en penses? Flibustière, eh ben, c'est quelqu'un qui m'avait. C'est un ami qui m'a montré cette carte-là, parce qu'il joue dans un deck humain aussi. Mm-hmm. Et à la place de jouer Invasion de Gobakan, là, je crois, tu arrives sur champ de bataille, c'est une carte de bataille. Ouais. Elle arrive sur champ de bataille, l'adversaire te révèle sa main, tu ouais. choisis une carte non terrain et coûtera 2 de plus à ah jouer. Ah oui, en blanc, ça, ouais. Ouais, en ouais. blanc. Mm-hmm. Et en fait, je me dis, ça agresse pas. Ouais. Et en plus, la personne peut payer de plus pour jouer la carte. En plus, ton éclat, alors que là, tant qu'on la tue pas, elle, ouais. une carte non créature non terrain en plus, parce que les créatures, au pire, c'est pas grave. S'il les joue, ça me dérange pas. Ouais. Ça dépend de la créature, mais mm-hmm. c'est moins impactant que les cartes. Et en plus, ça vole, donc ça peut permettre. Que les cartes éphémères rituelles ou enchantements. Des petits coups en l'air. Voilà. Pour et en plus, donc c'est certes une 1-2 pour 2, elle a le vol. Mais Eric, en général, c'est une 3-2. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout. Donc vrai, du coup, ça fait... Là, par contre, en général, c'est quand même une créature qui est cadenoc 3-3. Mmh. Et quand tu arrives sur le champ de bataille, crée un jeton 1-1 blanc humain et soldat pour chaque fois qu'on a lancé le commandant du pièce zone de commandement. Et les autres humains que l'on contrôle gagnent plus 2, plus 0. Et sachant que tu joues donc que des humains, quasiment, quand ils arrivent sur le champ de bataille, il fait un énorme effet déjà. Donc, c'est ça. Alors, certes, il n'est que 3 en endurance, mais il fait un effet qui est assez impactant sur le coup si on n'a pas la foudre en ce moment-là. Ouais. Donc très bien, donc le Carizé ne comprend plus, bien sûr Magistrat Dranit, il t'a vraiment beaucoup aidé le Magistrat Dranit? Alors dans ces parties-là, oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment où il m'a beaucoup aidé, je ne me rappelle plus c'était contre quel deck, mais c'était un deck, c'était trop drôle parce qu'il m'avait fait une partie, il m'avait mis Magistrat Dranit, et ça m'avait mis dans l'espace. Ouais. J'ai fait une partie, je lui ai piqué son Magistrat Dranit, et ça l'avait mis dans l'espace. Et après, on a refait une partie, j'avais Magistrat Dranit, et ça l'avait mis dans l'espace. Ah ouais, donc comme quoi... Et du coup... Même s'il frappe pas beaucoup... Du coup, c'était trop drôle. Ouais, c'est anti-général. C'était pas mal. Ouais. Bon, ben le maître archer, là, on ne prend plus, et j'étais le premier à te dire que c'était une bonne carte. La petite Talia. La petite Talia, t'as pas gêné, je pense. T'as pas beaucoup de sorts non créatures. Ouais, elle m'a jamais gêné, voilà. Parce qu'en plus, à chaque fois, en fait, c'était l'adversaire qui me la gérait, quoi.
Ouais. C'est un appel à un anti-bet qui coûtera un de plus pour l'adversaire. Ouais. Et du coup, bah, c'était trop bien. Alors, vaurienne charmante, deux avocats en célérité. Quand tu arrives sur le champ de bataille, on choisit l'un. On défausse une carte, on pioche une carte. On crée un jeton de trésor ou on crée un jeton maléfique attaché à une créature que vous contrôlez. Je pense que c'est principalement pour jouer un trésor. Je suppose que tu joues alors, ça, non ? C'est souvent pour jouer un trésor. Ouais. Après, si je veux de l'agression, je lui mets juste un jeton rôle maléfique, comme ça c'est une 2-2 pour 2 célérité, et quand elle meurt, elle met une blessure à l'adversaire ciblé. D'accord. Donc du coup, c'est pas mal. Ouais. Et après, il y a aussi la possibilité, si t'as une main de merde, ou t'as une carte ouais. que tu veux vraiment pas, mmh. tu te le défausses et tu pioches. Quoi. Donc, pas bête. Ouais. C'est souvent bien. Quoi. Ouais. Le voleur de riche, le classique. Voleur de riche, incroyable. Okay, donc c'est ton fameux général qui permet de switcher avec le tien quand tu affrontes un deck proche ou un deck avec beaucoup de d'elfes, donc contre Slimfoot and Squish, je pense que c'est ça que tu mets. Oui, ouais. contre Slimfoot and Squish, contre Proche, contre Gris. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres jeux contre lesquels tu pourrais mettre, mais en tout cas, ouais, c'est très très fort contre certains packs. La Deline, on ne la prend plus. Très fort à la fois en endurance et en attaque. Général Coudreau, pareil, qui dit que tous tes humains gagnent plus un, donc en combinaison avec ton général, c'est super fort. Ouais. Attends, et en plus, attends, t'as oublié un autre. Il y a son truc. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui, il y a un texte trop long. Tu me connais? Ouais, il y a un texte trop long. C'est un truc qui est ça. Donc, à chaque fois que lui ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, tu exiles une carte ciblée depuis un cimetière d'adversaire. Donc, très bien, en effet, contre Slimfoot, contre Will Lucalerus, s'il a commencé à mettre un pétalotus en cimetière. Et tu peux sacrifier deux humains, tu trouves une créature civile de force supérieure ou égale à 4. Ça, je pense, c'est rare que tu utilises la dernière capacité. Oui, c'est ouais. très rare. Ouais. Mais si ça peut détruire au hasard une Atraxa, par exemple, c'est pas mal. Ouais, tu vois. En effet. Kambal, ça c'est anti-contrôle. Dès ouais. qu'il lance un sort non créature, il perd 2 et alors, tu gagnes 2. Ce qui est trop bien avec cette carte, c'est que c'est anti-contrôle et anti-mono-rouge. C'est génial. Ah, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il va blaster elle, il oblige à blaster. C'est ça. Donc, ouais, du coup, il perd 2, je gagne 2. Ouais, je gagne 2 points de perd un blast. Et en plus, il perd un blast. Double effet qui se coule. C'est vraiment très bon. Ah, la maître queue, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Quand tu arrives sur ton bataille, toutes les créatures que tu as à contrôle, gagne-moi un ménage qui a fait mes tours. Et alors, c'est dommage que ce soit pas définitif. Ouais. Mais. Ouais. Oh, attends, t'imagines ouais. la puissance ouais, de la ouais, mais du coup, je sais pas s'il n'y a pas mieux. Ben, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que tu peux la jouer pour Blitz. Pour Blitz, ça veut dire que tu peux la rejouer depuis le cimetière, ça ? Non, c'est qu'au lieu de la jouer pour 3, dont 2 noirs, tu la joues pour 3, dont 1 noir. Mm-hmm. Et donc, elle arrive, elle fait son effet, elle acquiert la célérité, à la fin du tour, tu dois la sacrifier, et dès qu'elle meurt, tu pioches une carte. Donc, elle fait son effet, une sorte de donc, blast. En fait, donc, elle fait son effet, elle met des points de dégâts, et en plus, je pioche une carte. Donc, très bien, elle se remplace. Ouais. Tajik, on ne présente plus. Théoden, alors ça je Théoden. Ne connais pas. Théoden, c'est le monstre du deck presque. 3 d'invoque, 2-3. À chaque fois que lui ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, une créature ciblée acquiert double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est fort que ça C'est monstrueux. Ah bon. Ça, à chaque fois que j'ai mis, j'ai gagné en fait. Ah bon ouais. Bah, en fait, il n'y a pas de surprise, hein. C'est quand tu arrives en jeu, donc tu désignes une créature, si elle a pas le pétillement, elle peut vulgairement être bloquée par un petit elfe. Ouais, je suis assez surpris qu'il soit si fort que ça. Ah, franchement, moi, je la trouve incroyable. Non, en plus, les stats ne sont pas top, hein. 2-3 pour 3. Ouais, je suis assez surpris. Ah ouais. Bon, en fait, si tu as dit que tu as... Franchement, moi, c'est l'une des meilleures cartes du pack, je dirais même. Ah ouais, franchement, je la trouve incroyable. Ça, ouais. Bon, l'aventurière, ça, c'est une carte qui... Aventurière, est-ce que ce serait une carte qui devrait être bannie, d'après toi? Non. Non? Non. Et est-ce que l'initiative devrait être bannie? Non. D'accord. Bah en fait, parce que je pense que je dis je pense que je dis ça parce que j'adore vraiment ce système d'initiative. Ouais, ça force les gens à jouer des créatures. Je sais qu'il y a beaucoup de decks, enfin de joueurs de deck control qui détestent cette. Parce que ça les défonce en fait. Ouais. Parce que c'est très fort contre. Je pense que c'est encore pire que le monarque. Par contre, c'est clairement pire que le monarque. Tu prends l'avantage, mais sur le long terme, tandis que l'initiative, c'est vraiment quasiment instantané. C'est-à-dire que tu vas chercher un terrain, donc tu rattrapes ton retard quand t'as du retard. Tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature, deux marqueurs +1/+1 sur une créature, après tu mets 5 pour... En général, c'est le premier parcours qu'on fait. Souvent. Et c'est même le deuxième. Hein. J'ai déjà fait le deuxième souvent. Ça m'arrivait quand il n'y avait que des bêtes adverses sur champ de bataille, par exemple. C'était top. Très, très fort. Et surtout, ça en plus avec Unearth, quand tu as meurt, tu la récupérer, tu rajoutes encore une étape d'initiative. C'est ultra fort. Boromir, donc qui donne l'indestructible à toutes tes créatures super en sacrifiant. Fort. Et en plus, c'est anti-force of will, c'est bien ça. Hein. Il ne peut plus lancer de Force of Will. Il ne peut plus lancer de Force of Will, il ne peut plus lancer de Solitude, il ne peut plus lancer de Fureur, à part s'il est Hardcast. C'est Hardcast, qu'il joue. Le Captain Lanry, alors lui, tu joues, je me rappelle, dans Diada, donc pareil, tu crées un jeton trésor quand il attaque, et en plus, c'est des célérités. Et à chaque fois que tu sacrifies un trésor, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc, après, celui-là, je pense que, objectivement,
c'est une bonne carte, mais je pense en pas fait, que il arrive trop tard. Excellente En fait, dans le il arrive tour 3 pour, et il crée un trésor, sachant que logiquement, tour derrière, tu avais ton quatrième terrain et tu posais ton, déjà ton, ton général. Mais contrairement à l'autre qu'on a vu, je sais plus où, là, qui arrivait pour 2 d'avoir, lui, c'est vrai qu'il arrive un peu en retard. Mais j'adore trop la carte, en fait. C'est pour ça que je la joue, parce que j'aime vraiment cette carte. Ensuite, le champion de la salueuse de mort. Et tu joues des cartes qui n'existent pas. Champion de la salueuse de mort. 3 invoques, 2-1. Précipitation, 4. Je ne sais même pas ce que c'est, précipitation. Main forte, 1. Je ne sais pas ce que c'est. Et dominitative. Ça, tu sais ce que c'est. Alors, dominitative, c'est. Précipitation. On peut lancer ce sort pour son coup de précipitation. Ah oui. Et voilà. Qui revient dans la main à la fin de son tour. Et ça a sérité. Ok, bon, ça, tu le fais jamais, à mon avis, à 4 d'invoques, 2-1. Ah ouais? Ah, et tu le fais presque tout le temps. Ah bon? 4 d'invoque pour sortir une 2-1. Alors, main forte, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1 sur une autre créature ciblée. Ah, je comprends pourquoi tu fais ça. Et si c'est une, et si c'est une autre créature, elle acquiert la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. J'ai rien pigé. C'est-à-dire que tu mets un marqueur plus 1 sur une créature, et si c'est pas elle, d'accord, elle acquiert double initiative, l'autre créature. Voilà, voilà pourquoi tu utilises souvent la capacité donc, précipitation. Quand tu fais précipitation, l'autre, il a une 2-1 double initiative célérité à bloquer, et il va avoir une bête qui va avoir un marqueur plus 1, et il a double initiative à bloquer. Après, bon, le problème, c'est que ça coûte 4. Quand tu la joues pour 3, tu as une 2-1 qui n'a pas la célérité, qui met quand même un marqueur et qui donne la, la double initiative à une autre bête jusqu'à la fin du tour. Mais je trouve ça quand même un peu lent. Je préfère le Théoden, qui fait un peu la même chose. Du coup, on est arrivé ici. Le chasseur d'orage qui, donc, qui est 3-3 sérité et qui donne la sérité à toutes les créatures en général, donc très très fort. Le nécromancien de Xatrid, à chaque fois qu'il arrive ou qu'une autre créature humaine que vous contrôlez meurt, crée un jeton de créature 2-2 noir engagé. C'est pas à chaque fois qu'il arrive, à chaque fois quand il meurt. Quand il meurt, qu'un autre humain meurt, tu crées un 2-2 noir engagé. Ah, c'est trop trop fort ça. Ouais, anti-vrasse. Ah ouais, anti-vrasse, même le mec il te bloque ou il à partir du moment où il te tue une bête, il fait quoi que ce soit, tu ponds une 2-2 engagée. Du coup, en fait, le problème du deck, c'est qu'il n'y avait pas trop de réponses à des cartes comme. Merde, comment on appelle ça? La vrasse. Tu payes 3 et des points de vie et tu fais moins 6. Ah, déluge toxique. Voilà. Déluge toxique, tu fais ça sur le deck, c'est très très dur. Grâce à des cartes comme ça. Grâce à des cartes comme ça. C'est vrai que là, beaucoup, ça te permet de. Beaucoup, t'as le cartes qui te donne l'indestructible, mais ça ne fait rien du tout contre moins 6. Là, au moins, elles reviennent. Ok, je comprends tout à fait. Lui, incroyable dans le deck. Alors, recruteur d'Imodan, 3 d'invoque de 2, quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent plus d'un plus 0 et acquiert la sérité jusqu'à la fin du tour. Donc, ça concerne nous aussi, donc du coup, ça peut être assez agressif. Ouais. Et pourquoi il y a une seconde carte dessous? C'est parce que tu peux mettre. C'est une carte d'aventure. C'est ça. Et bon, après, ça, je le fais 5, jamais. Ça coûte un peu cher. Je le fais jamais, mais c'est un peu, admettons, en fin de partie, quand tu n'as rien à faire, tu peux jouer ça. Et si tu as 7 mana, non, 8 mana, tu peux faire l'effet, tu crées 2-2-2. Ah, et en plus, et surveiller vigilance. Et après, tu le joues. Comme ça, toutes tes bêtes, elles ont plus 1 plus 0 célérité. Et donc, pour 8, tu attaques avec 3-3-3. Je sais pas du coup si elles ont toute la sérité, parce que tu joues ça avant. Non. Tu joues ça. Ah, tu joues le rituel d'abord. Pour 5, ah ouais, d'accord. J'ai rien dit. La grande Taya, donc très très fort contre des contrôles, contre des aggro, ben, c'est très fort contre tout. Ouais. Là, c'est trop fort. Coup de marcheza, donc tu as laissé quand même dans le deck, même si tu as joué plus en tant que général. Parce que, est-ce que de temps en temps tu as switch? Eh bien, j'étais en train de me poser la question, je ne l'ai pas switché du tout. Ouais. Et normalement, c'est contre les jeux contrôle. Oui, que j'ai switch. Ils ont peu de possibilités de. Mais Airtai. Comme c'est l'un des jeux contrôle qui a le plus de bêtes, je trouve. Ouais. J'ai pas trop envie de mettre le monarque sur le champ en de plus, bataille. Il peut les poser fin de tour, il peut te contrer derrière, donc c'est très risqué. Et après. Mais malgré tout, tu veux quand même la jouer dans le deck. J'aurais peut-être dû la switch contre Léo Fakar, remarque. On me demandait bon. Oui, parce que lui, il joue que 3-4 bêtes dans le deck en plus. Ouais. Et en plus, les autres ne. Peut-être fait une erreur, tu vois, elle était trop. Ah, ça se trouve, j'ai joué. D'ailleurs, on regardera ça en vidéo. On regardera ça. Grémont, ça encore, c'est une carte que tu as inventée. Non, c'est Rick du coup. Ah, c'est Rick, d'accord. Ouais, c'est ça. Je ne connais pas ça. Ah, donc ils l'ont ressorti, je ne savais pas qu'il l'avait ressorti. Mais je ne sais pas comment ça se fait parce que je ne l'ai jamais vu ressortir, mais peut-être que c'est prévu qu'il la ressorte. Ah, d'accord, pas donc, encore. Du coup, on a déjà la nouvelle image. Donc Rick, quand tu arrives en jeu, tu choisis 2 capacités, c'est ça? Parmi initiative, vigilance, et vie. Et en général, je me suppose que c'est initiative et lien de vie que tu choisis. C'est très souvent vigilance, et vie. Ouais. Et après, initiative, lien de vie en fonction du deck. D'accord.
Initiative vigilance, c'est quasiment jamais. Ouais. Et en plus, ouais, tant que tu contrôles au moins 4 humains, sachant que tu en contrôles quand même beaucoup, et que lui, en plus, c'est un humain, elle gagne toute +2/+2. Ouais. Donc, ouais, c'est très très fort. Je sais que j'avais retourné une game quand je jouais Yoshi Boros avec ça. J'avais voulu tester la créature de Yoshi Boros. C'est un peu lent, mais j'avais gagné. Oh, quand ça arrive, ça fait mal. Oh là 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 là. Bon, encore une créature qui donne l'initiative. Là, on prend plus. Ouais. Ça aussi, c'est pareil. Exploratrice. Et Homer. Oh là là, mais tu joues des cartes que je connais vraiment. Ça, là, 5 d'invoque, 2/2. Quand tu vois les stats, tu te dis c'est pourri. Il y a un long texte, donc forcément, je vais pas commencer à lire. Alors, du coup, c'est double initiative. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 pour chaque autre humain que tu contrôles. Ouf, ah oui, en effet. Okay. Donc il arrive logiquement minimum 4/4, on va dire, avec ton deck. Minimum. Et quand il arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé devient le monarque et ça inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Ah oui, donc tu colles 4, en moyenne, on va dire. Tu colles 4, tu deviens monarque et tu as une 4/4 d'initiative. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est violent, mais après, j'avoue que celle-là, je pense que je vais l'enlever. Ah ouais, quand même. En fait, c'est trop fort. Ouais. C'est très, très fort. Ouais, c'est trop fort, j'enlève. Non, c'est très, très fort. Mais ça coûte 5. C'est ça. Ouais. Après, c'est normal que. Après, tu joues 40 landes. Ouais, une 40 landes. Après, j'arrive à le poser. Ouais. Mais en fait, le but du jeu, de mon jeu, c'est de tuer avant le tour 5. Ouais, ouais. Ou alors, c'est de mettre beaucoup de pression et pas arriver avec un gros play à la fin qui fasse ça. Ouais, tu vois, je préfère mettre deux foudres. Il n'y a pas la sérité en plus, donc je peux comprendre qu'il est un peu tard. Après, mais c'est vrai qu'il colle quand même des blessures, tu vois. Ouais. C'est comme s'il avait une limite, une sérité. Vous n'avez n'importe quel signe, du coup, tu peux coller peut-être 4 à un joueur pour en achever. Ouais, ça m'a permis de finir un joueur d'ailleurs. À voir, mais j'aime beaucoup. Ouais, j'adore cette carte aussi. Mais le Führer, bon, une des meilleures cartes du pack. Est-ce que tu n'es pas tenté de jouer Fury en plus de Führer? Tu sais, pas Fury, qu'est-ce que je dis? Pyrokinésie, pardon. Ah non, Pyrokinésie, non. Non, d'accord, c'est non, que les créatures, donc du coup, t'as pas... Ouais, c'est que les... Bah, c'est un peu que c'est comme Führer, et du coup, je préfère avoir une bête réanimée. C'est-à-dire que des fois, comme j'ai joué Reanimate aussi, qu'on verra plus tard, des fois, je m'exile une carte rouge, je joue Führer, elle arrive au cimetière, je la réanime, et là, boum, ça fait mal, solitude. Ça fait très, très mal. Kumano, ça devient une 2-2 humain, non? Oui. Ah, en plus, ah oui, c'est pour ça que j'ai Kumano. Ah oui, c'est trop trop fort. De base, c'est trop fort. Ouais. La floraison, on la prend plus, vu le nombre de créatures, en plus, les gens de l'arbre blanc. Très très fort. Ah, c'est la vague, c'est très très fort. Du coup, est-ce que tu joues le précepteur blanc pour aller chercher la vague? Non. Et parce que du coup, t'as pas beaucoup d'enchantements, t'as que 3. Et j'ai aucun artefact. Et t'as aucun artefact, donc du coup, c'est trop risqué. Ouais. La dîme de mana, on adore, ça fait tellement une surprise. La foudre, c'est obligatoire. En fait, ça, c'est deux cartes, tu vois. On le retrouve dans tellement de packs. Ouais. Toujours rouge, toujours foudre. Toujours blanc, après, toujours retour. C'est que c'est des cartes qui sont fortes, mais elles ne sont pas trop fortes. Oui, voilà, ouais. Comme le précepteur diabolique. Ouais. Oui. Mais comme il disait, toi, Elliot, tu joues noir, tu joues précepteur diabolique. C'est obligatoire. Là, pareil, tu vas jouer rouge, c'est foudre. Ouais, en effet, foudre, tu es une création, tu vas coller 3, tu vas peut-être finir l'adversaire. En fait, comme tu dis, démonique, tu vas chercher la carte. C'est ça. Pour gagner. Ouais. C'est vrai que des fois, la carte, ça peut être foudre. Tu te dis, du coup, ouais, la foudre, elle est aussi forte. Mais non. Parce que des fois, la carte, ça peut être autre chose. Et le précepteur, c'est tout. Et en fait, comme tu dis, ça augmente juste de 2 le coût d'une carte. Ça, c'est vrai que c'est ça. Mais la façon dont tu l'as présenté, en tout cas, c'est vrai que le coût, tu me dis, n'importe quelle carte, tu vas payer 2 de plus, tu appelles comme ça, elle vient. C'est, ça. C'est vrai que c'est génial. C'est génial. Ouais. Mais il ne faut pas la bannir. Non. Il faudrait la bannir. Faut bannir ça. Je vais couper au montage, ça. Et Brèche, à la rigueur aussi, s'il y avait une autre carte. Mais Brèche, il n'y a pas trop de decks qui la jouent. Donc, ce serait juste pour détruire un deck. 5 ou 6 joueurs en France à le jouer. Donc, ça va. Charme de Boros, moi, j'aime toujours pas cette carte. Ah ouais? Oui, tu peux acheter. J'aime tellement. Tu peux acheter l'RCR. En fait, t'as rarement des manas disponibles, je pense, dans ton deck. Donc, pour donner la destructive à tes créatures. Ah ouais? Si. Moi, j'ai l'impression que chaque tour, tu déposes toutes tes manas. C'est pour ça que j'ai enlevé ça. Ce gros sort à 5. Parce qu'il est extrêmement fort, mais. En fait, c'est ce que j'aime bien faire dans le deck. Je me suis rendu compte qu'il était plus puissant quand tu jouais des petites bêtes et que tu avais des manas disponibles pour les protéger, pour faire des trucs, pour faire d'anti-bêtes, pour faire une phase d'attaque supplémentaire. Ah bon, bref. Ouais. Mais sinon, c'est le charme de Boros que j'adore. Souvent, je l'ai joué, c'est jamais pour rendre indestructible. C'est pour coller 4. Pour coller 4. Ouais. Je sais que tu m'as souvent tué avec cette carte-là. Mais en fait, les gens, ils laissent à 4, tu vois, parce qu'ils disent, putain, 3, c'est portée de foudre, à la rigueur, allez, je bloque pas celle-là et je suis à 4. 4, ça passe. Et bien, le charme de Boros. Ensuite, le verset disparaissant. Moi, j'aime pas spécialement le fait que ça exile que un permanent monochrome. C'est très conditionnel, je trouve. Moi, je trouve que dans le format, c'est pas du tout conditionnel. C'est trop fort. Bah, déjà, Yoshi, Talia, Sheldred, la vague de Parallax, la Blue Moon. Il y a tellement de trucs qui sont handicapants pour le jeu qui coûtent. T'as jamais gêné, en tout cas. M'a jamais gêné. Donc, propre. Chaque fois que j'ai eu besoin,
J'avais un permanent à exiler. Bon, bah, preuve que tu as eu raison. Alors ça, moi personnellement, je l'ai eu testé. C'est... Alors, je trouve que dans un deck contrôle, c'est pas bien. Ouais. Par contre, dans un deck agressif où tu as besoin d'un tour de plus des fois, ah oui, ça c'est trop fort. Ouais, t'évacues un bloqueur par exemple. T'évacues un bloquant, ouais. T'enlèves une vague de parallaxe. Tu peux même faire ça sur ta propre vague de parallaxe en réponse à exiler les bêtes. Mais bon, ça c'est un peu, anecdotique. Mais t'as plein de spots avec ça où c'est très très et bien. Et là, je découvre une carte qu'on joue pas mal en multi depuis qu'elle est sortie. Et ça me fait plaisir de voir que tu la joues aussi en duel. Tu la joues pas en duel? Je ne joue pas en duel, moi, pour l'instant. Mais moi, j'adore. Là, je crois que donc, je rappelle le texte, c'est pas quand même récent comme carte. Donc, tout le monde est en vie. Toutes les créatures acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les joueurs acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Les joueurs ne peuvent pas perdre de points de vie ce tour-ci. Les joueurs ne peuvent pas perdre ou gagner la partie ce tour-ci. Donc, ça peut tuer un deck combo. Mais bon, en général, ils ont toujours une solitude, ou pas une solitude, suspense pour pouvoir t'empêcher de jouer de cartes ce tour-ci. Mais ça peut quand même surprendre l'adversaire, c'est sûr qu'en mono blanc, enfin, dans un deck en tout cas qui joue du blanc, ça peut vraiment surprendre et c'est sympa. Est-ce que t'as vraiment aidé? Eh bien, j'ai jamais sorti. Ah, d'accord, ok. Bon, et je crois que. Encore. Il y a une fois, j'avais dans la main contre mono rouge. Ouais. Donc, et t'as toujours gardé tes deux manas pour être sûr et certain. Mais, et ouais, mais du coup, il te colle à moins 3, imaginons, parce qu'il a, je sais pas moi, un gros blast. Tu fais ça, tu meurs pas ce tour-ci, mais du coup, t'es toujours à moins 3. Donc à ta prochaine phase, tu meurs. Non, en fait, tu peux pas perdre de points de vie. Ah, tu peux pas perdre de points de vie. Ouais. Ah oui, donc du coup, ici, oui. Donc, mais c'est peut être pas mal. En fait, je pense que j'ai dû la lancer à un mauvais moment. Enfin, si, c'est que je l'avais lancée. Au début de son tour, mais du coup, en réponse, il m'avait fait, il m'avait collé des points de dégâts et j'étais mort. Mais du coup, tu penses quand même la garder? Tu n'as pas encore assez testé, tu n'as pas encore assez. J'ai pas encore assez testé parce que je l'ai eu qu'une seule fois dans une partie où c'était pas le bon moment, je pense, pour la carte. Bon, étincelant, c'est que tu m'as tué souvent des parties avec ça. Qu'est-ce c'est que j'aime cette carte. Ça surprend. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même pas une carte qu'on voit régulièrement, on peut exiler une carte blanche de notre main avec une valeur de mana de X à la place de payer le coût de mana de ce sort. Et les prochaines X blessures qu'une source de votre choix devrait être infligée ce tour-ci à vous ou à une de vos créatures, elles sont infligées à la place à une autre cible par contre. Ouais. Donc ça peut être super fort, une phase de bloc. Tu sauves une créature, tu tues une autre créature. Et ce qui est trop fort, c'est que ça ne cible pas les blessures qu'on a prévenues de la source. Les blessures prévenues d'une source, et ça, c'est pas ciblé. Par contre, la cible après qu'on va faire, quand on va rediriger les blessures, ça va cibler. Donc, du coup, un Némésis qui t'attaque, tu peux protéger le Némésis, prévenir les trois blessures du Némésis. Blessures du Némésis et les coller. Et les coller sur autre chose. Sur le joueur, par exemple. Sur le joueur. C'est lui qui perd trois. Et en plus, quand tu as le monarque à l'initiative, ça fait que toi, tu prends aucune blessure puisque tu les as prévenues. Et oui, du coup. Et tu conserves ton monarque ou ton. Donc, c'est vraiment pas mal. Dans beaucoup de matchups, c'est vraiment. Je sais que tu me l'as souvent joué et le fait qu'en plus que tu payes. T'es pas obligé de payer les deux blancs quand tu exiles une carte X. Donc tu exiles une carte de 4 et tu te joues à la carte gratos. Donc ça peut vraiment, vraiment surprendre. Ouais. Ta fameuse Secret Tech. Secret Tech. En Indie. Chance de voir. Alors je l'ai dit parce que personne ne me connaît, à mon avis. Un blanc, un rouge, un noir. Et je pense qu'à chaque fois que tu as sorti, tout le monde a lu la carte, je pense. Tout le monde. Voilà. C'est vrai que j'ai gagné une autre game avec ça, c'est vrai. J'ai gagné deux games dans le. Ça fait plaisir. Donc, du coup, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible. Et jouer un tour supplémentaire après celui-ci, au début de l'étape de fin de ce tour, vous perdez la partie. Donc c'est vraiment génial parce que du coup, tu fais une double phase d'attaque. Je l'ai joué contre Léo Faka. C'est comme ça que j'ai gagné mon deuxième. Oh, terrible. On va le voir en vidéo du coup. Ah, désolé, je vous ai spoilé. Mais franchement. Ça fait plaisir. Ouais. Mais cette carte-là, moi, je l'aime trop. Parce qu'en fait, ce qui est exceptionnel aussi avec cette carte-là, je vais y revenir juste après. Mais déjà, c'est déjà. Tes créatures sont indestructibles. Ouais, c'est un éphémère. C'est un éphémère. Donc, il y a des rares cas où tu vas le faire dans le tour adverse. Mais si tu fais ça, le problème, c'est qu'après celui-ci, tu joues un tour supplémentaire. Donc, en gros, tu n'as que un tour pour tuer. Le mieux, le meilleur des cas, c'est de faire pendant ta phase d'attaque. Tu vois comment l'autre, il fait ses bloquants. Et là, tu joues ça. Donc, tes créatures, elles ne meurent pas. Et bim, après, tu fais un autre tour. Donc, tu peux jouer des cartes. Et après, faire une deuxième phase d'attaque. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Je préfère largement ça à des doubles phases d'attaque. Parce que double phase d'attaque, tu as déjà dépensé ton mana, tu ne peux rien faire d'autre. Ouais. Alors que là, tu joues un tour supplémentaire, donc tu as d'autres choses à faire. Et donc, petite sucrerie, c'est qu'avec celle-là... Avec ça, Mantra d'Esprit, non? À gauche. Avec le bruit d'Esprit. À gauche encore.
À gauche encore. Avec ça. Ouais. Tu joues ton tour supplémentaire. Ouais. Et à la fin de ton tour supplémentaire, enfin avant la fin de ton tour supplémentaire, ah, tu oui, joues ça. Tu joues ça. Et comme ça, tu perds pas la partie. Tu perds pas la partie. Et tes créatures, elles restent indestructibles pour la fin de la partie. Et du coup, c'est monstrueux. Bah, ouais, après, ouais. C'est pour ça, c'est entre autres pour ça que je me suis dit, je vais jouer Précepteur Diabolique. Ah, parce que, même si j'ai une des deux dans la main, je fais Précepteur Diabolique juste histoire de faire cette petite dinguerie. Double sucrerie. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mantra de respect, un petit peu comme d'un coup le banc étincelant, tu peux aussi donc défoncer une autre. Oula, on voit plus le texte. Tu peux exiler une carte blanche de ta main à la place de payer le coup de ce sort. Tu choisis une couleur et toutes les créatures acquièrent la protection contre la couleur choisie de ton choix jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ce qui te permet du coup de faire une grosse attaque si le mec n'a que des créatures vertes ou des créatures rouges. Ben, genre, t'affrontes un proche, il n'a que des créatures rouges en face, hop, tu dis qu'elles ont toute la protection contre la rouge. C'est ça. Et du coup, tu fais une grosse t'as attaque. T'as des choses comme ça qui sont vraiment top. Et t'as aussi. Quand l'autre il veut cibler ses créatures, tu peux faire ça en réponse. Toutes les créatures, c'est pas les tiennes. Avec Raffine, par exemple, quand il fait son trigger de connive, il cible une créature. Tu fais ça, tu enlèves le trigger de connive de Raffine. Donc ça, c'est bon. Après, ça peut être cher payé, mais il y a des fois où ça peut être super important. Ouais. Pareil, quand le mec il a équipé une animation des morts, hein, par exemple. Ouais, animation des morts. Mmh. Quand le mec il a équipé aussi la merde. L'équipement qui donne plus un double initiative. Oui, en rouge, la taille braise. Voilà, taille braise. Tu déséquipes une taille braise avec ça. Ouais. Ah, t'as des trucs sympas à faire que tu penses pas tout de suite parce que en fait, c'est vraiment toutes les créatures. Comme tu peux jouer gratos, encore une fois, ça qui ont la protection. Ça qui est bien. Ouais. Bon, réanimation, on l'apprend un peu plus. Ça peut toujours tellement être utile, surtout tu joues beaucoup de créatures. Mmh. Il y a beaucoup de joueurs en face qui peuvent mettre une grosse créature au cimetière que tu peux réanimer. Surtout que tu joues Fureur Solitude. Tu peux jouer Solitude gratos et tu la réanimes de suite avec réanimation. Tu refais son second effet et en plus, du coup, elle reste sur la table. Tu peux réanimer aussi un petit fonche pied esquie. Ça peut être violent. Ouais, l'autre l'a laissé dans son cimetière. C'est vrai. Ouais. Sortir de terre, donc pareil, même principe. Mais c'est que dans ton cimetière. Ça. Bon, ça, c'est une carte qui est sympathique, sans plus. Oui, tu t'en. Le précepteur diabolique. Ça me surprend trop ça. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça te surprend. Bah, parce que ça fait juste deux créatures 1-1. Alors, oui, ils acquièrent la sérénité. Alors, ça, c'est bien très très fort dans Gearson. Là, tu crées 2-1, alors que t'as que des grosses créatures dans ton deck pour très peu d'invocations. Là, je trouve que c'est pas. C'est bien si t'as ton général. Parce que du coup, tu crées deux créatures 3-1. C'est ça. Ce qui est excellent, c'est que ça donne la célérité à toutes tes bêtes. Et pas que. Donc, voilà, à toutes tes humains. Donc, moi, comme je joue quasiment que des humains, en gros, ce que j'adore faire avec cette carte, c'est que je l'ai rarement joué tour 2. Ouais. Mais des fois, tour 2, ça fait le café quand t'as besoin de bloquant, quand t'as besoin d'attaquer. Grande Taïa, par exemple, et à côté, tu joues ça. Et là, t'attaques après. Ou alors, tu poses ton général, et si t'as assez de mana, tu joues ça, et là, tu attaques pour l'étal, quoi. En fait, ça donne des létales de nulle part. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et enfin, bon, lui aussi, on ne prend de plus. Par contre, ça, c'est ultra cher, cette carte. On est à 40 euros, je crois. On est à 40 euros minimum. C'est vrai que c'est très fort. Alors, pourquoi elle coûte aussi cher, je sais pas que. Enfin, en français, 40 euros minimum. Sinon, d'accord. C'est 25. Ouais. Mais malgré tout, elle n'est pas très très jouée. Alors peut-être que c'est joué dans d'autres formats que le Commander, mais c'est vrai qu'elle est. J'en ai vu jouer aussi dans Will Lucas Lurus. Ah bon ? Ben oui, parce qu'en fait, comme il fait beaucoup de mana, en fait, il y a un tour, il a ça, il kill aussi. D'accord. Il n'est pas obligé de faire sa combo avec mana infini pour faire ça. Il peut faire mana infini et faire ça. Ah, ou il peut faire juste 20 mana et faire ça. C'est vrai que j'ai vu une partie de Jules Lestienne. Qui tue au point de vie. Et juste avant, je croise les parents d'Alex Haber, donc qui affrontait en ce moment le championnat de France. Et je leur dis, oh oui, en face, c'est Jules Estienne, je le connais un peu, son deck, c'est un deck qui tue pas au point de vie, lui tue, il meule le deck adversaire. Et juste après, je dis ça, boum, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là En fait, là, il a tout au point de vie. J'ai pas trop compris alors. Et du coup, je prends un con, je dis, bon, ça arrive que. Mais on a bien rigolé, en tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir. Donc le deck, il va être un peu changé. Il y a notamment quelques cartes que j'ai trouvées pas assez fortes. Ah oui, j'ai vu que tu avais amené des cartes. Hop. Ouais. Tac. Et il y a des cartes que j'ai changées déjà, que j'ai déjà mis dedans. Ah. Notamment. Ouais, mais là, je vais révéler les secrets de tech. Ah, on peut ou pas? Non, on peut pas pour l'instant. Tu prépares peut-être, à temps. Peut-être pas celle qui est dedans. Pas celle qui est dedans, Bon, elle, on la présente quand même. Elle, oui, on est d'accord. Oui. Le barrage lithomantique. Si on peut, ça, on peut c'est, ça c'est vraiment pas obligatoire, mais en fait ça tue Gerson, ça tue Yoshimaru,
ça tue, comment il s'appelle l'autre, Tivit, enfin ça peut tuer, tu bloques et tu rajoutes ça sur Tivit, c'est très très fort, ça tue Raffine, c'est incontrable, donc du coup tu évites de payer la parade, donc c'est très très bien le barrage automatique. Ouais. Ensuite, tu nous as rajouté quoi? Tu nous as rajouté plein de trucs. Et t'as dit que la liste était parfaite. Non, j'ai pas dit qu'elle était parfaite. Comment pas tu peux rajouter autant de choses? Alors c'est vrai que non, ça, tu l'as définitivement sorti, le mage de la lune. Mais en fait, il était pas dans le deck. D'accord, t'avais hésité à le mettre. J'avais retesté pour faire des parties avec toi. C'était pas un test. Okay. Après avoir vu la vidéo d'Eliot Dragon. Parce que c'est un peu un influenceur maintenant. Dans le milieu. Exactement. Et le dragon qui était spécialiste du draft et du paquet scellé, qui s'est mis un petit peu deux commandeurs, qui a fini second du Relic Fest et qui a apporté énormément à la communauté avec des idées un petit peu extrêmes, mais qui ont bien fonctionné, notamment le pétale de Lotus. C'est clair. Ah, bravo à lui. Ça, c'est sa marque de fabrique. Ça. Ouais, donc, franchement, t'as Lotus, ouais, même les cartes qui s'exilent pour faire un mana. Même moi, j'hésite à les jouer dedans. Parce la que rouge peut-être intéressante. Hein, la rouge, toi, j'hésite vraiment. Fait, Le guide simiesque, là, ouais. J'hésite. Coup, c'est en hésitation. Plutôt, ouais. Bon, ça, c'est dans le deck. Ça, c'est le deck card que tu aimerais mettre. Donc, Astrid pète. Elle pète quand quoi? Quand elle a mangé des chili con carne? Quand elle a mangé, c'est token. Alors, et deux invoques de deux. Quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, on crée un jeton nourriture. Chili con carne, justement. <C'est ça. rire> Et quand vous sacrifiez un jeton indice ou un jeton nourriture, elle... Ah. Elle pète. C'est l'humour, un petit caca, mais c'est l'humour, voilà. Mais c'est surtout que t'as failli le lire. C'est ça. Astrid pète. Astrid pète à l'explore. Excusez-nous. Oh putain, magnifique. Non, du coup, l'explore, ouais, je trouve pas ça. Bah, en fait, les token food, c'est trop fort contre Feldan, déjà, contre Gearzone, contre plein de decks qui s'exposent au point de vie. Mm-hmm. Et après, même contre les decks. Contre les decks contrôle, à chaque fois que tu vas attaquer, tu vas te faire des tokens, mais tu vas pouvoir explorer avec. Et du coup, tu vas pouvoir... Un peu mou, je trouve ça un petit peu mou. Un peu mou, toi tu trouves ça un peu mou. Ouais. Bon, reconfiguration expéditive, ça c'est anti-tivit. On l'a testé. Anti-tivit, et aussi pour protéger mes bêtes, par exemple mon général, si je veux pas qu'il meure avec une vrasse, avec quoi que ce soit, et je garde, et du coup j'ai un artefact qui donne plus 0 à tous mes humains. Sur le côté, tu vois, donc me dis, c'est peut-être que Alors, c'est beaucoup de TV d'un format, pourquoi pas, mais ils ont tendance un petit peu à diminuer. Après, en force. Ça coûte quand même 4 pour jouer. Même Damien Garça, le très très bon palois, qui est habitué à jouer TV, qui nous a fait un 5-0 au jour 1 du Relic Fest. J'ai même dit à la fin de sa partie, c'est pas Tivit qui va bannir, c'est Damien Garcia, t'as envie fort. Et ça lui a pas porté chance parce que derrière, malheureusement, il fait 3 défaites d'affilée, ce qui lui sort du top 32. Il alors que dégoûter. Ce monsieur a quand même fait top 8 du premier Rugfest. Ouais, il est trop fort. Top 8 du championnat de France, enfin top 12 pardon, du championnat de France. Donc oui, c'est un monstre du duel commander. Mais du coup, j'ai cru comprendre à la fin du Rugfest que du coup, il était tellement dépité qu'il voulait carrément abandonner Tivit. Donc, je sais qu'on va le rencontrer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est son deck de cœur. Mais il prend autre chose que Tivit, c'est très bien. On va le voir son dimanche prochain à la boutique Fantasy Sphere. D'ailleurs, je vous le rappelle, que le 19 novembre, il y a un tournoi à la boutique Fantasy Sphere où, encore une fois, on sera présent pour jouer et pour filmer. Tu seras présent, d'ailleurs? Oui. Yes, donc, Jirina Kudrow sera présent. Jirina Kudrow, avec la Secret Tech. Moi, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer proche, je crois. Ouais, je vais tester proche turbo pour tester. Ouais. Bah, moi, vous me connaissez, je change tous les 4 matins de deck. Ouais. Je suis pas spécialement là pour perfer, mais je suis plutôt là pour m'amuser. Voilà, j'aime bien tester plein de nouvelles dés ou nouvelles techniques. Bon, ouais. La championne dans la Ensuite, vie, de qu'est-ce façon. Que tu vas la jouer? Mais le ça, c'est pas sûr. Errant, ouais. Tout ça, c'est les cartes qui sont pas sûres, tu vois. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais. Hop là, c'est une nouvelle carte qui vient de sortir. C'est monstrueux. Le petit Raptor. Donc du coup, Raptor à griffe faucheuse, il est 3 d'invoque 4-3 et à chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, le Raptor à griffe faucheuse lui inflige 4 blessures. Monstrueux. Moi, je sur le coup, quand j'ai lu, je trouvais ça monstrueux et au final, je me dis, ça n'a pas la sérité, ça s'est bloqué assez facilement. T'imagines la sérité. Ouais, mais ça n'a pas le pétillement, ça n'a pas la sérité. Le gars va juste le tuer à son tour, au lieu de le tuer en éphémère pendant le tour adverse. En fait, ça aurait été la sérité, ça aurait été ultra fort, parce que du coup, il est obligé de le gérer et obligé de perdre 4. Mais du coup, il va attendre son tour, il va lui faire une foudre, une chain lightning. Le jour où il fera une carte comme ça avec la sérité. Ouais, mais du coup,
Je sais pas. Mais ouais. Moi j'aime beaucoup. À tester, ça, quand même, certes à tester. Mais peut-être pas dans ce deck. Franchement, si j'avais un autre deck. Oui, en plus c'est pas un humain. De toute façon, avec les dinos qui sont sortis, j'ai peut-être essayé de faire un deck duel dino. Ouais. Il y a un nouveau dinosaure, je sais plus comment il s'appelle. Les chroniques du commandeur, ils ont fait une petite vidéo sur les meilleures cartes du deux commandeurs. Et il est très très bien. Il est 3 Navok simplement. Et il fait que si tu as infligé blessure avant. Il arrive en jeu avec X marqueur plus intelligent sur lui. J'adore donc, celui-là. Très, 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 très fort. Ouais, il est vraiment excellent. Ouais, j'essaie de ça rentre très bien dedans. Mais du coup, tous les dinos éclairage, ça rentre. Après, tu as hésité à mettre Graveyard Trespasseur. Ouais. C'est Graveyard Trespasseur. Trespasseur. Oui, mais c'est en anglais. Oui. Et c'est celui... Et en plus, c'est écrit noir sur noir, donc là, on voit rien du tout. 3 Navok, 3-3. Il est parade, on peut défausser une, enfin, il faut défausser une carte, pardon. Et quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on exige jusqu'à une carte d'un cimetière. Et si c'est une carte de créature qui est exilée de cette façon, chaque adversaire perd un point de vie et tu gagnes un point de vie. Et il y a aussi, donc, du coup, donc, jour et nuit. Donc, quand on ne joue pas de sort pendant un tour, il se transforme en 4-4. Et, pareil, il fait encore le même effet. Ouais. Mais sauf que c'est deux cartes. Parce que deux cartes, ouais. Et c'est une 4. Ouais, voilà. Moi, ouais. Ouais, c'est bien. J'aime beaucoup parce que c'est un humain quand même sur sa phase principale. Mmh. Et ça fait de la haie de cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul défaut, c'est que ça coûte 3. Ouais. Et des drop 3, ils sont chers dans le deck. Ils sont très chers. Ouais. Donc c'est chaud. Ouais. Donc il y a encore en pourparler celle-là. Okay. Celle-là, par contre, elle est auto-in dans le deck. Inti Sénéchal du Soleil. Donc, c'est une carte d'Ixalan. C'est même possible qu'il y ait des commandants qui soient faits autour tellement la carte est forte. Mono rouge, créature 2-2. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez vous défausser d'une carte. Vous faites ainsi mettre un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Attends. Pour l'instant, c'est pas terrible. Pour l'instant, c'est pas excellent. Ouais, à chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte jusqu'à votre prochaine étape de fin. Donc, du coup, la carte que tu défausses, tu ne la perds pas. C'est ça. Voilà. Au final, ça te fait une petite carte d'avantage. Voilà. Et en plus, ce qui est fort, c'est que la deuxième ligne. Parce que la carte que tu perds, la carte tu elle se remplace. Enfin, ça te fait un petit avantage. Ouais, pour le plus important. Voilà, plus un piétinement. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est que la deuxième ligne de texte, elle est séparée de la première. Ça veut dire que c'est juste à chaque fois que tu te défausses d'une carte. Ouais, donc pour d'autres effets, ça peut être intéressant. Chaque fois que tu vas te défausser d'une carte, ça peut faire des trucs sympas. Ouais, ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, je trouve que la carte est super agressive. Elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Puisque c'est à chaque fois que tu attaques, c'est pas forcément que lui attaque. Ouais, en plus. Ouais. Donc, moi j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Elle se combatte très bien avec la Elia d'ailleurs, parce que tu exiles une carte de toute ta bibliothèque, donc la Elia elle prend un marqueur. J'aime beaucoup. À tester aussi dans Feldon, à tester peut-être dans d'autres decks comme Croxa ou Jury. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Là, je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas encore regardé la liste de cartes, de toute façon, mais très très bien. Puis après, il y a celle-là que j'hésite à mettre aussi. Alors, Flibustier Avid, pour un Avox, c'est 1-1. Quand elle meurt, tu fais regard 1 et tu crées un jeton de trésor. Ah oui, si tu m'en avais parlé, il faut qu'elle meure. C'est le problème. Après, c'est vrai que c'est juste une 1 pour 1. Et puis, ça fait juste de regard 1. Il y a un jeton de trésor. Face à un deck contrôle, il va un peu en avoir rien à faire. Et face à un deck aggro, tu vas juste créer un jeton de trésor, donc tu vas faire venir ton général plus tôt. C'est fort. Mais dans ce cas, autant jouer une pétale de lotus ou autant jouer le guide simiesque elf qui est plus surprenant, je pense. Ouais. Je suis pas pour. Là, je suis pas pour. Ouais. Bon, faut que je vois. Et puis après, il y a Eddie Soudain aussi, qui est vraiment pas mal. Parce que... Tu crains un Némésis, vraiment ? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas le mettre. Nemesis, c'est très très peu joué, donc étrangement, c'est une carte qui est très forte, mais. Mais c'est fort, mais. Tellement agressif. Si ça avait la vigilance, ce serait monstrueux. Voilà, c'est en fait, on est obligé de rester en défense avec Nemesis, donc du coup, c'est pas ultime. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir expliqué ce petit deck. Mais merci à toi de m'avoir invité pour faire cette interview. Est-ce que j'ai encore d'autres petites questions oui, comme d'habitude, pour finir, est-ce que tu as d'autres loisirs en dehors de Magic? Oui, je l'avais dit, je joue aux jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Hein, ouais. Et ensuite, est-ce que tu as une série que tu as en ce moment et que tu aimerais conseiller ou tu es tellement à fond dans les jeux vidéo que tu n'as pas le temps de regarder de série? Alors, que je regarde en ce moment, je n'en regarde pas en ce moment, mais une série que j'ai à conseiller, j'en ai des centaines. Ah oui, bien. Non, peut-être pas des centaines, mais des dizaines. Tu en choisir une que tu aimerais faire découvrir à quelqu'un, un peu un truc que tu vois, pas Walking Dead, pardon, que tout le monde connaît. Un truc un petit peu hors méta, voilà. Comme mon deck. Voilà. Eh bien, je dirais
Oui, mais toi, tu la connais, du coup. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde. C'est Sense 8. 8 Sense. Ah ouais. Moi, je la conseille parce que je la trouve incroyable. Elle est trop bien. Après, enfin, non, j'en ai qu'une seule. J'en donne qu'une seule. Et enfin, dernière petite chose, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en étant franc? Parce que même Léo m'a dit qu'il aimait bien les critiques négatives quand il y a des arguments. Donc, les bons côtés et les mauvais côtés du Relic Fest, s'il y en a en tout cas. Ouais. Ok. Assez rapide, s'il te plaît. Assez rapide. Alors, les bons côtés, c'est génial parce qu'on se retrouve, ça permet d'avoir un énorme regroupement de joueurs. C'est là où on voit que Magic, l'assemblée, c'est vraiment hyper important. Et il faut des événements comme ça pour que vraiment il y ait une cohésion entre, même à l'heure, c'était entre les formats, parce que c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que vraiment tous les formats étaient mélangés. Et non, justement, ils n'étaient pas mélangés. Ils n'étaient pas mélangés, mais ils étaient réunis dans un seul et même endroit. Mmh. Du coup, tu pouvais rencontrer tout le monde, tu pouvais rencontrer tes youtubeurs préférés. C'est vrai que merci à tous ceux qui sont venus bonjour, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Quoi. Et tu pouvais discuter avec plein de gens, c'était vraiment sympa. Ouais. Après, moi, il y a un défaut aussi que je trouve, c'est vraiment... Alors, non, deux défauts, tiens. J'ai plein d'idées. Ça m'arrive. C'est déjà, je trouvais que pour la partie commandeur, j'ai pas aimé parce que le multi ou le duel là, le multi, le multi, ouais, le multi. Mm-hmm. C'est vrai que le commandeur, ouais, c'est la partie multi, j'ai pas aimé, non pas les joueurs parce qu'ils étaient vraiment top, mais l'organisation du fait que tu pouvais te mettre autre part et jouer en multi en fait. Alors, sans payer 55 euros. Ça j'ai vu, apparemment c'était possible le vendredi parce qu'il y avait pas mal de tables de libre. À partir du samedi et du dimanche, moi j'étais à côté des tables qui étaient légèrement disponibles le vendredi. Elles étaient totalement indisponibles le samedi et le dimanche. Ouais. Ça va. Donc en effet, je sais que beaucoup étaient un peu vexés d'avoir payé 55 euros et ils voyaient d'autres personnes qui n'avaient pas payé, qui jouaient. En tout cas, dans la zone de commandeur multi, ils n'aimaient pas trop faire le flicage, mais ils étaient quand même là pour surveiller que tout le monde avait son bracelet. Donc la plupart des gens l'ont respecté, certains d'autres non, mais bon, on ne peut pas non plus toujours aller faire le flic, ils ne sont pas payés pour. Mais c'est vrai que les tables en dehors, ça a été juste disponible vendredi. Quelques joueurs sont venus jouer avec moi, mais dès samedi et dimanche, ce n'était plus possible, c'était même dommage. Mais bon, il y a la place, donc tu viens, tu payes, tu joues, si tu n'es pas payé, c'est vrai que tu ne peux pas jouer. Et après, donc, du coup, ce que je trouvais dommage, c'est que tu payais 55 euros pour jouer. Mais tu n'as aucune dotation. Ouais, c'est vrai que ça c'est le truc ça qui revient. Alors, dommage. Léo s'est expliqué là-dessus comme quoi c'était un format fun. Ouais. Et donc, du coup, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de gagnant, pas de perdant. Mais c'est vrai qu'on avait fait, pour ne pas les citer, la tour de commande, on avait organisé un événement, donc pas trop loin de chez nous. On avait trouvé ça génial, le principe. Parce qu'en fait, il y avait très très peu de différence entre ceux qui gagnaient et les autres qui perdaient donc, à la table. Ouais. Ils appelaient ça, je crois, des tics, il me semble, une sorte de petit point, en fait. C'était trop bien. En fait, on payait 5 euros, je crois, la partie. C'est ça. Le principe était génial. On avait une sorte de beeper, comme dans les kebabs ou les pizzerias, où dès qu'il y avait 4 joueurs avec un deck à peu près du même niveau, les beepers sonnaient. On se retrouvait à la table de juge et on allait se mettre à une table. Le gagnant, je crois, gagnait peut-être 10 tics, donc on va dire 10 tickets. Les autres gagnaient 5 tics. Voilà. Et en fait, à la fin, avec ces tics-là, on pouvait racheter des cartes en fait, qu'ils avaient, donc des cartes à l'unité. En fait, c'était comme des vouchers. Ouais, un peu comme les vouchers. Voilà. Et très, du coup, c'était, c'était vraiment génial. Pour moi, c'était le meilleur événement de je reconnais, multi. Parce que c'était une bonne ambiance. Il n'y avait pas vraiment de vouloir tout gagner, parce qu'entre gagner et perdre, il n'y avait pas très peu de différence. Mais chacun avait une petite récompense. Après, si tu voulais à tout prix gagner, tu avais des niveaux de deck. Tu choisissais ton niveau de deck. Tu pouvais jouer CEDH. Et du coup, là, ou alors tu pouvais jouer en mode compétitif. Ouais. C'était comme tu voulais. C'était vraiment trop bien. Parce que 55 euros, du coup, c'était vraiment pas cher pour 3 jours. 55 euros, c'était pas cher pour 3 jours. Ouais. Totalement d'accord. Mais du coup, peut-être, à la limite, faites juste peut-être à peine plus cher ou faire à la partie. Ouais, la partie, c'est vraiment. Et donner des récompenses. Parce que les joueurs, ils aiment bien avoir des récompenses, même si c'est des récompenses ridicules. Ils sont tout contents d'aller chercher après une petite commune qui leur manquait dans leur pack. Et puis surtout en commandeur multi où les cartes coûtent en général un petit peu moins cher quand on veut prendre des petites communes pour finir son pack. Et voilà, même s'ils ont 5, 10 euros à la fin, ils seront contents. Voilà. Je pense que j'ai fait aucune partie en multi alors que j'avais acheté sur 3 jours. Mais oui, en même temps, t'avais pas prévu. Du coup, t'avais quand même pas payé le rebound avant de. Non. Heureusement. De toute façon, ils ont fait des remboursements, je crois. Oui, ils ont fait des remboursements. C'est vrai. Ça, oublié, c'est vraiment très bien. Ça, c'est correct. Et un autre truc, j'ai oublié en plus. Putain, j'avais en tête. Ah, si, voilà. Le deuxième défaut que j'ai trouvé, c'était que les vouchers, on était obligé de les utiliser
au moment du Relic Fest. Mm-hmm. Ça veut dire que le dimanche soir, pour ceux qui avaient un afflux autour de la table. En plus, il restait beaucoup moins de choses par rapport Ils étaient désavantagés. Voilà, ouais. Donc, et par exemple, ça, c'est un gros point négatif, je trouve. Thomas, qui a gagné, je crois, 300 et quelques euros, et bien à la fin, il a dû prendre un bilan qui était un peu plus cher que ce qu'il voulait. Un peu déçu pour ça. Mais je sais que vous ne pouvez pas donner de compte, de bon d'achat MKM, parce qu'apparemment, MKM ne donne plus de bon d'achat. Mais c'est vrai que presser les gens à acheter rapidement un truc, alors qu'ils ont quand même investi 75 euros dans un tournoi ou un peu moins, c'est vrai que c'est un des points qui, moi aussi, m'a un peu gêné. J'ai cru comprendre que, pareil, de faire des bons d'achat à la boutique, ça serait trop compliqué pour vous, parce qu'il y avait quand même 1200 joueurs. Mais ouais, il faut étudier un autre système. Je ne sais pas s'il y a un autre système ou alors, quand même, je ne sais pas. Mettre un autre jour de plus. Non, donc le lundi, tu ne peux pas. Tout le monde travaille le lundi. Non, mais il faut... Si, faire ça le vendredi, samedi, et le dimanche, c'est du multi, tu vois, c'est que du multi ou d'autres side events. Ah, mais t'imagines... Mais non, parce que le vendredi, il y en a plein qui ne pourront pas, non plus, qu'ils travaillent, logique. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très compliqué pour les récompenses, mais essayez de bosser là-dessus, Léo, si tu me rades, Antoine, si tu me rades. Ouais, essayez de chercher un autre système, voir avec MKM, parce que je sais que Guillaume, pour le Championnat de France, avait réussi quand même à faire ces fameux bons d'achat, mais il me semble en effet quand même arrêter de les faire, donc je ne sais pas si c'est encore possible d'en créer, ou à votre boutique en ligne, trouver un autre système, mais je sais que c'est la grosse déception de beaucoup de joueurs, ça, d'avoir été pressé à la fin de tout s'agglutiner en même temps. Moi je veux ça, ah ben non, il le prend devant mes yeux, et du coup les classeurs pareil sont pas accessibles parce qu'on est quand même beaucoup de joueurs à la fin. Et il y a un ou deux, voire trois personnes maximum sur un classeur. C'est difficile de dire, moi je veux celui-ci, il la prend devant mes yeux. Ouais, c'est assez compliqué, je reconnais tout à fait, Et moi en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Ah ouais. C'était excellent. Voilà, franchement, merci. Super. Merci beaucoup. C'était génial. Tout était bien. Juste que moi, ma table n'était pas prête au début. Je pense que l'an prochain, il faut que je voie avec Léo ou les arbitres qui me prévoient de suite une table. Ça a été assez compliqué, mais en même temps, on pensait pas qu'on serait là à côté des arbitres. Bon, finalement, ça s'est bien goupillé au niveau de l'éclairage, on s'est bien débrouillé. Et je sais que la bouffe, ça a été aussi un point négatif qui a été retenu sur Discord. C'était pas assez nourrissant, apparemment, pour les sommes investies, c'était pas assez nourrissant. Peut-être trouver des sandwichs plus classiques, un sandwich classique jambon-beurre, plutôt que le petit croque-monsieur, à voir, en tout cas, à étudier. Je pense que faire un petit sondage directement sur les comptes Facebook ou les chaînes YouTube, ça peut être intéressant de voir le retour des gens. Mais je sais que le croque-monsieur n'a pas trop rempli les estomacs des joueurs. En tout cas, merci à toi pour ce petit débrief. Et puis, on se retrouve la prochaine interview. Ce sera pour interviewer un autre Agenais qui a gagné le Relic Fest le dimanche. Ouais. Donc, encore une belle histoire pour les Agenais cette année, donc ça fait plaisir. Je pense que je vais l'interviewer ce soir, mais ce sera diffusé un peu plus tard sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres de la chaîne qui nous soutiennent, et on se dit à bientôt. Bye bye. Au revoir.